Et bonsoir à tous et bienvenue, le Juste Proc édition numéro 7 ou 8, je sais pas, avec encore une fois 3 BG. Je vais faire un petit tour de table. Comment... Oh bah t'as Rosit, il a dit coucou en premier, comment tu vas Rosit? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la télé. Très bien, très content. Hein? Pardon? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu à la télé. Ah ouais, ouais, ça fait bizarre là de repasser à la télé, on dirait que je vais peut-être lancer un stream, mais pas du tout. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir reçu l'invitation. Merci, mec. Les autres, je ne les présente plus. En vrai, là, il n'y a que des grandes stars de l'e-sport sur cette table, surtout Adri, qui a fait une bonne perf la semaine dernière. GG, d'ailleurs. Oui, merci. C'est gentil. Et Vidéo Killed. Bref, vous l'avez vu en stream certainement il y a 20 minutes, quand moi, j'étais sur son stream. Et j'étais un peu comme une groupie qui était dans le chat. Il me disait, ah, viens. Et quand il a dit, on se voit tout de suite pour la répète, pour les réglages, j'étais tout content. J'ai trop hâte. Et en vrai, on va passer une petite soirée encore pour l'actu d'AZW, les gens, sur quelques thèmes. De toute façon, on suit ce qui se passe in-game, donc si vous êtes un peu malin, vous allez comprendre qu'on va quand même parler pas mal de RTA, vu que c'est la fin de saison. Mais avant tout ça, quand même, on va prendre le temps de faire les choses bien et de recontinuer, de récompenser, féliciter Adri pour ton truc. En vrai, t'as fait une sacrée paire. Bravo. Surtout vu que c'est parti. T'as fait bien. Un 4-2, c'est ça hein? 4-2. 4-2, c'est ça, exactement. C'est très solide. Et c'est propre, hein, comme ça. Très très fort. Je pense que tu devrais piquer un peu plus Alexandra. Hein. T'as fait 3-3 avant? Ouais. 0-6. J'ai fait 0-6, 3-3, 4-2. En vrai, t'as bien monté le truc. Je l'essaye. Gut, j'ai pas de pitié pour lui. Je vais lui mettre son tarif. Ah, tu l'as front la semaine prochaine? Sérieux? Et ouais. J'ai pas peur. Attends, laisse-moi voir un truc. Si vous avez pas suivi les dernières semaines, les gens, le ladder est là. Actuellement, Adri, top 8. Voilà, t'es qualif. Voilà, ça y est. En vrai, t'es remonté de loin hein, parce que t'avais 0 points quand même une journée, quand même. Hein. J'avoue, c'est chaud. 0, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ah, je vais pas très loin avec 0 points. Et... Ouais, dans ceux derrière toi, ils ont tous pas encore joué, c'est ça? Ouais, mais Nicer Spacer, je suis assez confiant pour dire qu'il restera derrière moi. Okay. Ah, il a que 2 points. J'avoue, il a 2 points. C'est pas, ouais, c'est pas énorme non plus. Je suis moins sûr. Putain, c'est chaud parce qu'on le pensait l'un des plus favoris, non? Quasiment, non? Peut-être pas l'un des plus favoris, mais quand même vétéran, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est depuis un moment. Mais genre, sur les top 8 qui passent, tu vois, très beaucoup de monde aurait mis Smicer dans les 8, tu vois, vu son palmarès, je pense. Et non, d'accord. Ce sera Adri. Et je voulais voir les scores, en fait. Adri, t'as fait quoi? La semaine dernière, donc, t'as fait 1-1 contre... Non, t'as fait 2-0, Raxaz. Eh mec, qu'est-ce que t'as mangé? Ouais. Ah, j'ai bien mangé à la cantine. Mais... Le cantinier était sympathique avec moi, il m'a donné du rab, du coup, j'étais en forme pour le soir. Et blague et à part... ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que t'as fait un re-runage de compte, des sessions d'entraînement? Parce qu'il y avait quand même une... On a senti une diff, quand même, tu vois, dans tes drafts, entre la première et troisième semaine. Ouais, il y a eu un re-runage. Et ça m'a valu une lose en plus. Hein. Alors, j'avais re-run mon compte un peu avant. Et j'avais oublié, genre j'avais bougé un peu des artefacts et tout. Et par exemple, la deuxième game contre Sam Bicep, j'avais oublié de remettre un artefact sur mon Veromos. Et j'avais bien le seum parce que ça s'est fini très très close. Ah ouais, donc il manquait un 1500 HP ou un truc comme ça là? Ouais, c'est ça. Ah putain, toujours. Hein. Et elle tapait pas très fort, enfin... Elle tapait, mais les 1500, moi je pense que ça m'aurait permis de tempo et de gagner, tu vois, vu que ça s'était fini à ça. Mais bon, c'est la vie, on peut pas penser à tout. Wow. Je suis qu'un homme après tout. Est-ce que c'est que t'avais ruiné entre les matchs ou est-ce que c'était juste... Non, non, non. J'avais ruiné la veille, mais j'avais pas pensé. Voilà. Guts qui avait fait une moins bonne semaine la semaine dernière, je crois, qui au final se retrouve pas trop mal, non? Guts, il est stable, hein. Ouais. Il avait fait 2-4 et là il fait un 4-2, ouais. Du coup il rattrape. En fait il est vraiment en 3-3, 4-2, 2-4 et du coup il est vraiment très très stable, ouais. Il aime trop être au milieu. Ah. Et Tito, qui a une journée de retard et qui est comparable au reste, et c'est pas... Ouais. Mais ah, c'est ouais. Là il est trop trop bien. Ah, il est chaud Tito, hein. Il est fort. J'espère qu'il perd un peu la ce week-end pour leur mettre à sa place. Non, moi j'espère pas, la Belgique, tout ça. Alors, je voulais montrer. Je pense qu'il est trop confiant là. Il se sent trop au-dessus de tout le monde. Il y a les matchs. Si vous voulez voir les gens dans le chat des infos sur la ligue, il y a un site qui est dédié en fait.
Vous pouvez voir en fait les prochaines journées, les line-up et tout. Je le mets dans le chat. Je l'ai pas eu dans le chat parce que je suis débile. Où est-ce que je l'ai envoyé? Okay, là. Et je suis curieux en fait de savoir ce qui va se passer donc la semaine prochaine. Tu disais que toi dans 2 semaines donc tu tapes Guts. Ça, ah oui, ouais. Adri Guts ici je vois, je vais mettre en plus gros. Ouais, Adri Angel et Adri Guts. Le choc des titans. Et c'est quoi ton dernier? C'est les deux. Bah en fait t'as des groupes de 3 à chaque fois, tu sais. Ouais mais... Moi mon groupe j'étais avec Guts et Angel. Mais tu dois avoir un premier match. Et là maintenant on va devoir casser notre amitié. Adri Angel, Adri Guts, mais c'est quoi ton premier match? Mais y'en a pas, on est 3. Ah. Enfin, en gros on était dans des groupes de 3. Et on taguait des autres groupes de 3 à chaque fois. Ah ouais je vois. Mais okay. Au bout d'un moment faut que ce groupe de 3... Putain, je suis à la masse. Faut faire des choix tu vois. Mm-hmm. On doit se séparer. Ah ça va être plus court du coup le dernier jour. Ah, faut que tu sortes le Jara et l'Alexandra là. Ah ouais, tu penses? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Oui. Et en vrai, c'est que je pense que je mets mon meilleur set sur Jara. Et comme ça, je jouais un mob à Guts. Tout le monde a Jara dans la team ici ou quoi? Des joueurs de la squad? J'ai pas. Non. Quoi? Toi, t'as Jara, et Guts a Jara aussi. Et est-ce que Tito aussi a Jara? Non. Il a que d'LD. Il a Ludia. Ouais, c'est vrai. Il a pas d'LD à chier, Tito. En vrai, premier degré, est-ce qu'en anti-Léo, tu trouves que c'est fort? J'ai joué hier. Ouais. Attends, est-ce que j'ai un replay ou pas? Oh, si t'as un replay, c'est cool. Hein. En vrai, j'ai pris comme un chien et du coup, c'était fort. Ok. Bah, en vrai, si t'as un replay, je suis curieux parce que on va Attends. Faire. Les gens dans le chat, vous y un petit indice de ce qui va se passer dans la journée. Une fois qu'on a fini de parler de la ligue, ce qui est déjà le cas parce qu'on fait que des petits débriefs, on va parler de la scène Overta. Et pour le fun, on va faire une petite tier list à nous quatre. J'en ai... Où on va discuter de nos avis très différents sur la méta, parce qu'on joue un peu tous différemment. Enfin, surtout moi, je crois. Donc, si t'as des replays pour appuyer tes trucs, ça peut être cool. Ah, j'ai pu. T'as pu ? C'est au début de la session. Je suis désolé. Comme par hasard. C'est quand je gagnais encore ça. Après, j'ai lose. Hein. NP. C'est pas des replays que j'ai envie de partager parce que je perds. Bah, t'es combien maintenant actuellement là ? Ça m'est passé en valeur. La semaine dernière, tu nous avais dit, oui, 2 semaines, que t'étais low G2, je crois. T'es où maintenant? Ouais. Je pareil. Low G2. Oh, attends, au moins, t'es stable. Sa vie. Attends, je dis ça, je crois que je suis pareil, en fait. J'étais... Ah, je suis descendu G1. Fuck. Ouais, je suis à 1930, un truc du genre, là, en ce moment. Ah, faut que je vois. Et tu vas pas être loin du ouais, du low G2. Hein. Ouais. J'ai pas fait mes ailes encore aujourd'hui. Si tu veux en faire après... Pas de soucis, parce qu'on va sacrifier un peu mon compte pour faire du fun en fin. Donc si tu veux en faire aussi, c'est ok. Avant de parler de la RTA, j'avais fait un petit tease les épisodes précédents, les gens, sur les Tours of Europe. J'avais dit que ça allait ressortir. Les dates n'ont pas encore été annoncées, mais au moins on peut parler des villes qui seront concernées. Il y aura un tour en fait en France, à Paris et aussi à Lyon. Pour l'étranger, il y a Francfort et Vienne. Bon, je pense que ça va se limiter pour Paris et Lyon pour la plupart des gens. Perso, je serai aux deux. Est-ce que vous avez prévu, vous, d'être de faire la route pour un ou deux, Rosite, Adri, VK? Paris, je suis à côté. Paris, moi. Paris, ouais. Et après, Lyon, ça dépendra, en fait. Ouais, mais je pense que moyen, hein, parce qu'en vrai, Paris et Lyon, c'est pas très loin. Mmh. C'est ouais. Genre 2 heures de train, du coup. C'est que pour toi, VK, c'est un petit peu... Je viendrai. Et bientôt, Adri? Vers Paris, okay, au ouais. Sud comme ça. Les dates, je peux pas encore les leak les gens parce que c'est encore en discussion. Je sais, il faut réserver les bars, etc. Donc peut-être qu'ils sont en train de déterminer ça. Et tant que c'est pas full confirmé, en général, ils communiquent pas tout ça. Et voilà, c'est juste un petit moment info. Suivez les réseaux sociaux les gens pour avoir les infos quand ça sort. Et vous ne raterez rien. Alors les gars, cette saison, est-ce que vous trouvez qu'elle est plus dure que d'habitude parce que c'est une saison de qualif SWC ou pas? Je peux donner mon avis? Ah vas-y ouais. Moi je trouve qu'elle est super dure parce qu'il y a un mob de chien dans la méta. Ah c'est quoi? C'est un peintre bleu. Et il me casse les couilles ce mob. Hein. Chien le dire, il rend la méta très très dure. Et ouais. Celui-là, c'est celui-là là. Lui il me dégoûte tu vois. Mmh. Il me donne des relents. Que je il donne beaucoup de carrière. En plus, le Disper étant très fort et il porte très très bien le Disper, ça fait un double problème, tu vois, sur ce monstre. Ouais, mais est-ce qu'il va changer, tu penses honnêtement? Je pense pas. Hein. Je pense qu'il fait partie des monstres de la méta et il va jamais bouger. Hein. Je
Bah justement, si on en discutait un peu en stream tout à l'heure et avec Donné aussi, qui avait fait une petite prédiction de Brain's Patch. Ah, plus sa mère, son peut-être truc. Peut-être réduire de 5%, tu vois. Mais mec, j'ai lu sa prédiction de Brain's Patch, mec, c'était une course de Noël de gamin de 6 ans et demi, mec, il avait aucun sens. Mais pour le coup, pour Egang, à moitié raison, je pense okay. Réduire d'un 5%, ça peut être sympa, tu vois. J'avoue que pour le reste, c'était un petit peu... Enfin bref, mais ouais, je pense que ça peut mais mériter. Non, petite review sur son BP. Il était droit dans ses baskets et moi je trouve que c'est honorable. En vrai, le chat demande petite review sur son BP. On va le faire en speed si vous avez le lien ou quoi. Je suis preneur. Parce qu'en vrai, c'est un sujet. Parce qu'il y a aussi Balance Patch qui va arriver. Donc en vrai, on peut commencer à tisser tout ça. Mais moi, je pense que la saison, en vrai, est pas si impactante que ça en fait. Tant que t'es pas dans le OG3 en fait. La saison de qualif SWC, pour moi, je vois pas trop de diff. Tu penses quoi toi, AVK? Bah, j'avoue que moi j'ai Elocyte de fou furieux cette saison-ci. Genre, je suis monté très très haut et puis j'ai plus joué pendant 3 semaines. Donc je suis pas super bien placé pour parler de la fin de saison. Je sais qu'il y a beaucoup de Eshir et Gang et tout, ça joue beaucoup autour des gangs, même des Chandra, Village Jewel, Sagar avec du Egang aussi. Mais ouais, c'est un peu chiant à jouer. C'est ce genre de compo où t'as beaucoup de trucs qui sont asphyxiés par les monstres de méta, tu vois. Et Rosite, toi, c'est très différent parce que toi, en fait, t'es un joueur qui joue la dernière semaine et tu prends ton G3 et tu te casses en 200 L. T'en es où là d'ailleurs? Ah non, je suis monté un petit peu. J'ai commencé la semaine dernière. C'est l'historique où il a pris 100 points. Je suis presque G2. J'ai mis 170. Mais je pense pas avoir assez de combats pour l'instant pour juger un peu de la méta. Mais ouais, par contre, ouais, comme il a dit Adri et Gang, ça casse les couilles. Hein. Le mob 8 cut, il se prend 40% d'ATB. T'en as combien de games sur cette saison là? Parce que t'as bien monté. Je suis à 71 hein. Games là. T'as 71 games? Ouais. t'as combien de points c'est ça, Shay? T'as 20 points de plus que lui c'est ça? Ouais, c'est ça, fais l'air. T'as une bonne avance. Après, ouais, ouais, je commence à la fin, c'est pas pareil. Ouais. Ça fait mal. Je peux dire la vérité. Après, on est habitué, ouais, c'est Rosy, c'est comme ça à chaque saison. C'est quoi ton winrate du coup là? 82%. Ah, mais là, je pense que quand je vais commencer à arriver G2, G3, ça va être, ouais, ça va être une autre affaire. Ah, ça a vraiment diminué à 70%, quoi. Vraiment, c'est naze. C'est chier. Mec, chaque saison c'est marrant, on parle du winrate de Rosit. Il dit ouais, mais c'est parce que je suis en train de monter. Ouais, mais après il monte G3 et voilà, il prend son G3 et on lui demande ton winrate. Ouais, 80, c'est. T'imagines s'il essayait de se qualifier SWC, ce slacker là? Saison prochaine, c'est la sienne. Ouais. Saison prochaine, ouais, hein. On entend chaque saison ça. Saison prochaine. Mais il disait en off pour les gens qu'il n'avait pas en fait trop le temps parce qu'il s'est beaucoup investi pour le siège. Et mention. Félicitations la guilde du coup Origin d'avoir gagné le tournoi. Bravo, Origin. Franchement, ouais, très très fort. Hein. C'était propre de ouf. J'ai pas du tout suivi le combat le samedi. J'ai juste lancé le jeu vers 18h. J'ai dit what the fuck. Ils étaient en train de rouler sur F. On va pas faire forcément une émission sur ce débrief de tournoi parce qu'il y aura certainement une interview de guilde. C'est pas sûrement s'il y en aura une en fait. Donc bon, ce sera un sujet à part. Et franchement, c'était clean. Hein. Franchement, le. Tu t'es senti rouler dessus un peu, Rosite? J'ai eu ouais, mal pendant le siège. J'ai eu des petites douleurs. Mais non, en vrai, ils ont été hyper propres tout au long. Ils ont repris les bases assez rapidement et ça a fait le différentiel de points qui s'est grandi au fur et à mesure. C'était 95% winrate pour Rujin et 93% pour Aftermath. Ouais. Ça a fini ça. Il n'y a pas eu tant de différence en termes de lose, mais je pense qu'au niveau de la prise de base, ils ont été beaucoup plus rapides. Vous avez les bonnes offenses et ça fait la diff. Hein. C'était quoi la méta à peu près en def 4 et 5 mat qui ont bien performé par exemple en finale? T'avais à dire ton gros. J'ai l'impression en 4 étoiles c'est des Dark Siri partout avec des Shir, des Vigor. Ouais. En 5 étoiles bah c'est full LDR hein, je pense. Hein. Un des... Ouais, c'est surtout du LD. Après, t'as un peu les defs Siri Savannah qui étaient surprenantes au début. Ouais, en général, tu as toujours des defs avec des passifs chelous pour pas se faire one shot. Genre, pour tout se faire cleave. Peut-être toutes les compos, genre.
pas, les basses têtes avec double moniqueur mono-cible. C'est assez populaire, du coup, t'es obligé de build tes défenses pour counter ces offenses. Et du coup, ça fait que t'as. Là, j'ai vu que pendant la finale, il y avait beaucoup de def avec le KB Vent là. Mm-hmm. Il est horrible ce mob. Hein. Franchement, ouais, c'est fort. Hein. Celui-là, du coup, là. Ouais. Ah, suis-moi. Bung. En fait, c'est un monstre qui commençait déjà un petit peu à émerger et il a pris double buff d'un coup, donc bah forcément, ça devient un peu trop fort, quoi. J'aimerais bien l'avoir, lui. Pareil. Et en vrai, pour ceux qui ont fait le tournoi, là, du coup, c'est quoi les problèmes en offense, les petits monstres d'offense, là? Bah, Onyx. Onyx. Je pense que ça s'est bien révélé. Je pense qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui l'ont mis en évidence aussi. En sortant des petits... Non, c'est même pas des Onyx, c'est des gargouilles d'arc, un étoile. Oui, c'est vrai. Ouais, hein. C'est bon. Il est où? Je pense que c'est un peu kaki tier en termes de broken, quoi, dans le siège. Et, bon, j'espère qu'ils vont adresser le sujet au prochain DP. Ça parce que... C'est vrai que ça fait mal. Si vous n'avez pas suivi, les gens, si vous découvrez, Onyx, il a un passif qui fait que il commence le combat, il est en statue, et il peut pas mourir quand il est en statue. Et à la fin de chaque tour, il a 30% de chance de revenir en statue aussi, donc il peut enchaîner en fait l'état d'immortalité en fait. Et le skill 2 le fait passer en statue aussi, donc il a techniquement deux tours dans tous les cas d'invincibilité. Il est peinard. Et le CD c'est est fort, assez court en plus, j'avoue. Bon, j'avoue qu'il a l'air un peu sur lui. En fait, dès qu'il y a des rides du KTB, bah, vu qu'il joue jamais, il est invincible tout le temps. Mais... il faut quand même qu'est-ce qu'ils ont la porte à côté en fait pour que ça gagne à peu près, tu vois? Parce que solo, un tracteur et un Windy, je pense. Un tracteur en vampire et les deux ils prennent pas de death break et sur la durée, t'as ton Onyx qui prend la foudre et t'as tout le reste qui bouffe petit à petit. Il était pas à Chouache lui? Je crois qu'il était à Chouache, non? Si, c'est à Chouache. Ouais, je crois. Non, on a 5. J'ai pas. Non, j'en ai pas. T'en as pas? Je dormais ce week-end là. malencontreusement. Mais grâce à l'event des 10 ans, il va revenir. Ah, c'est vrai. On espère que dans le balance patch, il y aura une petite ligne pour lui, quoi. Ouais. Tu sais que c'est mon moins sponsor, elle. Actuellement dans le jeu, je crois que c'est mon moins sponsor. Hein. J'aurais bien aimé la voir. Allez, elle est utile. Ouais, si je peux faire des défenses siège 4 étoiles, c'est. Moi je la jouerais même. Moi j'ai eu une FR Light, elle est aussi forte, non? Ouais, moi j'en ai deux. Tu sais que j'ai fait des offenses, enfin une défense avec. Et je pense qu'il y a les 20 loose d'AFU, elles étaient sur cette défense. Non, mais ça c'est sûr. Elle est ouf déjà. Parce qu'en fait, là ils pensaient qu'ils pouvaient mettre leur Onyx, mais non. Rien du tout, hein. Elle met un Oblivion sur S2 et du coup ils étaient bien baisés. Mais toi aussi tu l'as. Ouais, je l'ai eu deux fois. J'étais très, mais alors très content. Ouais, je l'ai aussi deux fois. On est les élus. Et ouais. Mais c'est de toute façon, elle va se faire. Maintenant, on parle de BP et tout. Mais elle se fait up, non? Elle peut pas se faire nerf. Un peu. Bon. C'est un insider. Elle se fait up, non? Ça devient le prochain même broken, ça. Y a moyen. On espère, en tout cas. C'était peut-être une petite aparté elle sur. Imagine. Siège. Quoi? T'as dit quoi? Imagine, elle fait comme un robot. Mais un ignore def comme un robot. Et en gros, si elle tue, elle envoie un autre ignore def sur un autre monstre. Attends, quel ignore def? Quel robot ignore def? Aucun, mais c'est juste comme le robot vent, mais genre, lui il stun, elle tue. Ah bah oui, grave, bah oui, fainard. Bonne idée ça. C'est pas mal, non? Bah oui. Ouais, moi je pense que ça pourrait être pas mal. En vrai, je pense que ça peut être pas mal qu'il la buff, genre elle peut contrôler, un peu comme Sonya, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Contrôler dans le sens où il y a une unité qui disparaît du. Enfin, Sonya contrôle pas, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Ça, perso, je la joue, hein, si c'est ça, je la joue. Ah, tu m'étonnes. Hein. Alors, j'ai vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui a passé vite fait. C'est juste, j'avais dit que je ferais la petite review de Balance Patch parce que c'est un sujet qui est très bientôt normalement. Ça devrait arriver quand dans une semaine ou deux, hein, max. Hein. Ouais. Alors. Très. Alors, les gens, c'était juste aparté. Il y a donné. Qui stream, vous pouvez voir, des fois il fait des trucs intelligents, mais c'est pas ça en tout cas, qui a fait une liste de potentiels buffs nerfs. En vrai, de la Noël, première ligne. C'est ça? Comment? De Noël? Ouais, mais mec, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. En gros, la première ligne, ça serait assez intelligent. Buff après le skill, pour Nick, Laura, ouais, Nikki, non, quand même, non? Pourquoi non?
Pourquoi ? C'est bizarre ça. T'aurais ouais. L'un des pourquoi deux. Que Nikki, non. Bah, en vrai, imagine Nikki qui fait plus de dégâts. C'est en vrai, je suis d'accord pour Nikki. Nikki, ouais, c'est Nikki plutôt je pense au niveau c'est de ses hits ou je sais pas quoi. Trop relou. Oliver Lee 24. Ou non ? Non. Je sais pas, en vrai, je dirais oui et non en même temps, en fait. Je sais pas pourquoi, en fait. Je me suis habitué à son kit frustrant, je sais pas pourquoi. Il manquerait un Lispide élémentaire, en fait, je trouverais. Ouais, bah du coup, ça ferait plus de Vanessa. Mais toi, tu peux jouer Trinité ? Ah ! Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a qui serait vraiment intelligent dans son truc ? Julianne ? Oh non, il prendrait une grosse claque, là, non ? Non, je pense Julianne, il faut juste réduire son ratio, limite. Ouais, je pense que ça fait. Ouais, il fait trop mal sur le. Ah, j'ai oublié cette ligne. Tu sais, par contre, pour le Despair, ce serait bien qu'il reverse le change, le changement. Ouais. C'est trop casse-couille ça. Tu sais, le fait ouais, que tu prennes des élémentaires différents et tout pour t'adapter à la compo et que dans tous les cas, tu te fais quand même stun, c'est trop frustrant. C'est un peu triste. C'est dommage qu'on ait pas la raison de ce changement sur le Despair. Tu dis, on n'a pas la raison. Tu l'as sais, on a la raison, ouais. Tu as la raison, Shaizo ? Ah, j'ai aucune raison, mec. Ah, si, c'était pendant Reloaded, ils voulaient que ce soit plus facile à comprendre, tu vois. En mode, c'était trop difficile de retenir que c'était le premier coup non glancing, tu vois. C'était trop compliqué, donc ils ont dit, bon, bah, ce sera le premier coup et ça peut pas glance, tu vois. C'était vraiment ça la raison, hein, pour le coup. C'est vraiment ça. Bah, pourquoi on fait chier alors ? Bah, enlève la ligne, ça sert à rien. C'est plus compliqué, du coup. Pas d'accord. Et après ça le devient reste... compliqué, c'est pas bien. Bon, en vrai, bon. Je sais pas s'il y a des choses qui sont vraiment bien. On sent bien qu'il a Gelnir donné là. Ouais. Passif de Wada, mais. Oui. J'avoue, what the fuck. Mais QD, je suis assez d'accord, tu vois. Mm. Parce que QD, à lui tout seul, il te fait un gagné à tort. Avec un slow en plus. C'est vrai. Ouais, en vrai, je suis d'accord, t'as gagné ces trucs. Mais en vrai, je pense que. Après, un tour CD skill 3, c'est quand même. Pas assez, tu penses ? Mais il n'y a pas de moyen de faire autrement, tu peux pas faire 0,5, tu vois. Ouais, clairement, mais ça peut être quand même slow. Chaud, quoi. Enlever bon. L'arrêt du KTB ? Enlever ça. Ouais. Ou peut-être faire une réduction TB à 175%, tu vois, genre un peu 175% comme... Non, 75. J'ai ah, bégayé. Ah ouais, non, mais... J'aime bien bégayer. Lâche cette pente. Oh, la tier list. Hein. En vrai, on va pouvoir s'amuser. En vrai, j'ai trouvé une version en plus qui a tout jusqu'au collab, là. Tu sais qu'on en a pour 2 heures, là. Non, on va faire un truc, parce que c'est beaucoup trop long, sinon. Parce qu'on a d'autres trucs dans le skin. On est saison 28, donc on va juste mettre, en fait, le top 28. Ouais, les top 28 qu'on pense. Top. Les vraiment MVP de la saison 28. Donc. Zeratou. Je vais. Alexandra. Zeratou. Bénédicte. Non, mais vous êtes parti en couille. En vrai, Destiny, si. En vrai, c'est quoi ? On va faire chacun notre tour. En vrai, Destiny, c'est que blague à part. On rigole. Ouais. Mais Destiny, j'ai commencé à la jouer là contre toutes les compos de crasse à base de Byung-Chul et tout. Et je trouve que c'est pas mal. Bah ouais, avec l'obligation, c'est. Ah, Byung-Chul. Enfin, Destiny. Ah, pas Byung-Chul, le Kapsu. Enfin, t'as capté quoi. Les trucs avec des passifs. Mmh. Les gros. En vrai, je pense qu'on peut faire un tour en fait. Et chacun, à notre tour, on met un mob qu'on pense être vraiment un crack, tu vois. Donc, toi, t'as mis Destiny du coup, l'ami Adri ? Ouais. Moi, je pense Destiny, c'est. Alors, ça pèse. Faut trouver Destiny. Battle Angel. Et tu l'as mis où, mec ? Est-ce que c'est Shiklip ? T'as mis quoi comme. Attends, faut que tu montes déjà les rangs. Ah, c'est ceux de base, il y avait S, A, B, C. Est-ce qu'on, tu veux qu'on en rajoute ? On rajoute des rangs, les gars ? Je la mettrais en B. Ouais. Parce qu'elle est bien, mais pas très bien. Allez là. Mais est-ce que vous voulez qu'on rajoute des rangs, les gars, ou alors, pas ? Alors, elle est bien, mais pas très bien. Du coup, non. B. Ouais, B. Vas-y. C'est pas trop. C'est pas... Tu vois, genre... Ah. Elle sert. Mmh. Tu la piques, elle est là, et les gens, ils sont soit obligés de la ban, ou bien ils se font avoir. Mais tu peux pas la piquer tout et n'importe comment. Ouais. T'as passé des. C'est la différence entre un bon B et un mauvais B, tu vois. Le bon B, il est là, tu la draftes et en fait, elle est bien. Alors que le mauvais B, en fait, tu la draftes et elle est pas bien, là, tu vois. Bah, elle, c'est un moyen B, je dirais. Ouais, du coup. Ouais. Du coup, tu devras mettre des mobs à gauche et à droite de la destinée. Ok, alors bah, on va rester comme ça, ouais.
toi, l'ami Rosite, c'est quoi ton coup de cœur de cette saison? Bah, le monstre le plus broken que j'ai vu, hein, pour le peu que j'ai joué, je trouve, c'est Egang. Egang. Tout en haut. Tout en haut? Ouais. En vrai, je pense que c'est... Bah, je pense que c'est un mob qui façonne un peu comment tu draftes, forcément, parce que tu vas le taper. Tu prennes un stripper à haut qui a pas de... qui fait pas de réduit KTB, bah, tu vas te faire exploser, quoi. Je pense que tu peux même démarquer et gang de, tu sais, des Laura, Véronica et compagnie, tu vois. Est-ce que tu crois jouer des trucs? Ils sont pour moi encore en haut. Ouais, bah après, ça, c'est des cas à part. Laura, ouais, Véronica. Ah non, je suis d'accord. C'est counter et gang et gang counter tout le reste. Du coup, c'est pour ça que je pense que c'est. Ah, Laura, pour le coup, se fait counter par Egang. À part si elle skill 3, skill 2, évidemment, mais. What the fuck, man? Voilà, ça va comme. Ça parle, tu vois. Et toi, du coup, bah, c'est quoi, du coup, Laura? Non, on est un stream français ou anglais là? Du coup, Laura, tu peux la mettre là, je pense. Quel. putain. Monsieur. Voilà. Ouais. Je préfère, ouais. J'avoue, t'as raison. On est en France. C'est quoi ton truc, toi? Tu mets Laura, du coup. Sur une autre. T'as dit quoi, VK? J'ai dit Laura, ouais. Ah, ok. Ouais, Laura. Ça, c'est un classique. J'ai l'impression, maintenant, toutes les saisons, on dit Laura. Bah, ouais. Obligé, hein. Oh, je vois un commentaire qui me fait penser à un truc. Ça parle de setup de stream de Rosite. C'était quand la dernière fois que t'avais dit je vais stream? Ah, mais j'ai fait un stream l'année dernière, non. Il me semble. Elle est là, putain. Ouais, on a fait un plus d'RTA et tout. Non, je l'avais raté alors. Le stream annuel, quoi. Quel putain, mais. J'avoue, Laura, ça casse les couilles. Hein. Tu l'as pas? On dirait que j'ai tout. Tu me prends pour qui, là, Adri? T'as combien de LD, mec? Rosite. Rosite. Entre nous. Il te manque quoi? Bah, je crois qu'on avait compté la dernière fois, c'était plus d'une vingtaine, je crois 25. T'as plus de 25 la 5 LD? Oh, Jésus, arrête, entre nous là. Jésus, pas à nous quand même. 25 en vrai, les gars, 25, je pense que t'es pas grand monde, c'est autant. Combien, toi? Moi, je pense que j'en ai 13, moi. J'en ai 13. Donc, c'est quasi double. Ça va. Bon, après, il y a eu un peu de chance, quoi, mais voilà. Oui. 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 Un petit coup de bol. Toi, t'as dit la chance quand même. Hein. Eh, tu sais, il est pas là la chance. Hein. Moi, je vais mettre Anne. Alors, les gars, on parle de quoi? C'est, en fait, c'est une tier list des mobs qu'on pense être vraiment un peu des MVP de la saison, mais c'est un peu sur nos touches personnelles et ça permet en fait de discuter sur les mobs qu'on trouve bien et dans quelle utilisation en fait. Ça va pas être la tier list la plus fiable de tous les temps du tout, c'est juste un peu discuter de la méta en fait, tout en mettant nos coups de cœur. Moi je mets Anne parce que bah en vrai il fit bien dans à peu près toutes les drafts je trouve. Et c'est un lead speed et il tape fort donc j'aime bien. Donc voilà. Carré, franchement carré. Mais je sais pas si je le mettrai au même niveau que Egang, tu vois. Bah, après il est à droite donc il est moins fort. On est d'accord? Ouais, c'est un moins bon S. Mmh. C'est un S. Mais faut le modérer quand même. Ouais, ouais, mais c'est un mob qui t'ouvre des portes en fait. Mmh. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme mob là? On peut parler de Neftis, non? Elle est... Ouais, je pense Neftis. En haut. Niveau de mais Destiny. Mais qu'est-ce que t'as, monsieur? Ouais. Alors. À peu près quoi. Neftis. Je pense au niveau de Destiny, c'est pas mal. Au niveau de Destiny, ouais. Alors tu as pensé à te faire foutre, toi, déjà vrai, hein. Ah, plus ou moins, ça peut être en C, ça peut être en A, c'est à peu près ça, quoi. Ouais, en plus, t'as Sekhmet qui fait la même chose sur Skill 2 aussi. Donc... Avec 114 speed de base, hein. Et en plus, c'est 99, hein. Elle est où, Neftis, putain? Pourquoi je suis aveugle, les gars? Au-dessus. Elle est en haut, au-dessus à gauche. Ah, elle est là, ok. Donc toi, tu la mets là, c'est ça? Ouais, A, B ou C, ouais, ben, ou B en moyenne. Tu mets quoi, par exemple, hein. Si tu pars de cette logique, qu'est-ce qu'elle fait de plus qu'une Bastet ou une Sekhmet, hein, et qui te donnerait envie d'avoir un Nat 5 LD qui n'est pas mieux qu'un élémentaire? Tu sais que son sort 3, c'est même pas un sort. Ah oui, elle a pas de sort. Ouais, non, elle a pas de sort. Voilà, un sort de moins que Bastet, elle peut pas mettre de shield. Ah oui, Bastet, elle a un shield. Elle a un shield. Mais gros. Non, en vrai, mais là, en D, hein, elle est à chier. Mais gros. Non, en vrai, un petit S, hein, je pense, on a pas. Ouais, S. S, j'ai obligé de dire. Tu la mets S du coup? Ouais, c'est un petit S quand même. Mais S à gauche ou à droite de Anne, hein? Je pense à gauche de Anne. Ouais, à gauche. Okay. En fait, Egang, techniquement, il est pas censé être là, mais vu qu'il définit un peu la méta actuelle, je peux comprendre qu'on l'ait mis là, quoi. Tu veux remettre là, toi? En termes de winrate, pickrate, tout ça, Egang, pour moi, c'est limite un très bon A, tu vois.
Ouais, ah, okay, moi, je le mettrais au milieu. Mais bon, vu qu'il délimite la méta et tout, tu vois, en fait, vu que c'est personnel comme tier list, dans tous les cas, on le met un peu où on veut, tu vois. Mmh. Ouais, c'est tier list, en fait, ça peut te dire ce que tu dois faire en VK. Bon, ça, c'est, ouais, c'est notre tier list, les gars, tu vois. Si quelqu'un nous critique, on lui dit ta gueule. Excuse-moi. on a le droit de dire ça sur Twitch. Ta bouche. Ouais, je préfère, ouais. Hein. Bon, tu vas te faire peine, hein. Ou t'auras pas ton partenariat comme que... Bref. Soon, c'est tout soon. Tu mets quoi maintenant, Rosite? Qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui quoi? Qu'est-ce qui te fait plaisir de jouer ou de que tu redoutes en face? Zerat, quand je le joue, je sais qu'il va se passer une dinguerie là. T'as Zerat toi? Ouais. J'ai fait pas mal de petits Zerat à un moment. Enfin, je sais pas si c'était il y a 4 saisons. C'est à l'époque où ils avaient pas encore fixé, tu sais, les absorbes ATB avec les robots là. Et du coup, je la jouais avec Neftis et avec Zerat, c'était quand même... Ok. Double robot Elenoa. Ouais, avec lui. En plus, il y avait aussi Elenoa, donc... Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas le mob le moins RTA de la méta, quasiment, Zerat, en vrai? Si, mais c'est vraiment... En fait, quand t'arrives à avoir le bon setup et que le mec, il a pas piqué les bons mobs pour te counter, franchement, c'est... Ah, c'est... Bon, tu vois tous les mobs qui disparaissent en un coup, c'est jouissif. Vas-y. On va faire, en fait, les gars, on va faire une catégorie. Une catégorie d'ailleurs aussi. Kiff perso, parce que sinon les gens qui vont arriver pour faire un screenshot, ils vont dire ouais, ils ont mis Zerat à côté de Neftis, ça veut rien dire. Ouais, on va mettre un truc là parce que c'est un non, peu. Non, mais Shay, pourquoi tu te justifies là? En vrai, t'as raison. Tranquille. J'avoue, tranquille. C'est toi le chef, hein. Et j'avoue. Eh, hey, ouais. C'est ton stream, Shay. Zerat, on le mettrait pas en triple S, mec? Franchement, en termes de damage, y a rien qui. Y'a rien qui peut égaler Zerat hein, sur les dégâts. Hein. Après, je pense. Un deal break, pas besoin de buff attaque, juste besoin des HP, et hop. Et boum, ça dé... Mais tu sais qu'il y en a un, il est super bon en jouant Zerat, mine de rien. Il y en a deux. C'est des Américains. Ah. Il y a Dustin et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Ah oui, c'est vrai que Dustin, j'avais vu, il jouait coupé avec une Charlotte. Ouais, il y a des trucs avec Charlotte, Chandra et tout là. Ouais. Replay. Ouais, il est de fou furieux lui par contre. Ah ouais? Ah, il est giga fast. S'il y a quelqu'un qui a un Zerat en G3, c'est prouvé, c'est QFD. Tu vois? Ouais? Direct. Ah bah oui. Bam, ah, il y en a plein là. Il HL dans l'eau. Ah, regarde voir lui là. Ouais, ah. Un truc que je vois mais. Ok. Ouais, ouais, je vois. Pas sûr qu'il ait gagné. À peine bien entouré en plus. Bah, en vrai, il y a quoi on dirait. Pas grand chose. Ouais, et pas de Neftis, ouais, il est le qui. Hein. Des frissons, il me donne des relents, j'ai envie de. Oh. Ok. Il va jamais gagner, Zerat, non? Si, regarde, eh. Boum! Là, en gros. Ah. Ah, c'était un flop là. Oh la strat de fou furieux! Oh non! Il a un max minimum anti-Sonia? Attends, il s'est passé quoi là? Ouais, ok, ouais, regardez. Ouais. C'est pour ces moments là comme ça là que quand tu piques Zerat, t'es trop content. Ah, mais j'avoue par contre, mais pourquoi il a tanké le. Ouais, Maxi, il a pas d'attaque, hein. Soit non mais je pense qu'il doit se douter en faisant cette compo qu'il va se faire Sonia avec le lead 24. J'avoue il a ruiné donc. Mais il y a un pélo qui faisait aussi la même chose avec Oberon. J'avais vu un mec qui avait un Oberon à plus 1300 def en Desper. Et il l'avait partagé sur Reddit, il était trop content, il était off, oh, vous pensez quoi. Ah oui, j'ai vu ça, putain, c'était trop bien. Ouais, alors moi franchement je suis pas peu fier, j'ai une petite technique. En vrai n'hésitez pas à me donner vos retours. Mais t'es trop en plus avec ça le mec hein. Je sais pas. Et non, vraiment, c'était un. C'est quand même une sacrée tech, un maxi anti-sonia. Ah, comme ouais. Quoi, ça marche hein. Ouais, bah, c'est pensé, c'est réfléchi. Comme quoi, le mob, il est vraiment cheaté. Hein. C'est quoi, moi, je vais mettre maxi en S aussi. Ah, voilà, en vrai, il mérite, lui. Ouais, il mérite. C'est facile. Ouais, ça reste facile, ouais. En vrai, je trouve que les lead speed, éléments, Latin Dark, qui font des dégâts ou qui break def. Ils sont quand même sacrément OP. Hein. Ouais. Après, ouais, je pense quand même que Neftis est meilleur. C'est différent. J'ai l'impression qu'en fait, quand tu prends Maxi, t'es quand même assez commit. Tu sais que le mec, il veut te terminer en un tour. Ouais, c'est ça. Neftis, t'es quand même... Tu peux plus facilement transi avec Neftis. Ouais. Tu peux faire des compos à la con comme VK, par exemple. Quoi? T'es en train d'insulter Rosite aussi, là? Ouais, moi tu sais, j'ai pas de soucis, hein, j'ai pas peur de vous deux. Hein. Non, mais moi je pique Ragdoll, je veux pas ce que tu. Qu'est-ce qu'il joue en truc à la con le bro VK pour ajouter sur la tier list? Lema.
Laima, Broken. Ouais, je pense qu'on peut mettre les leaders élémentaires, là, les ouais. Oliver, ouais. Vanessa, Moore. Là. Oliver, tu le mets où? On va tous très haut. Hein, Il est où, en vrai? Des étoiles, ouais. Là. Oliver, ouais, Oliver. Trop, trop indispensable, limite. De toute façon, Oliver, je pense que c'est comme un peu comme Egeng. Enfin, si tu l'as pas, c'est compliqué, hein, je pense. Ouais, c'est... Ouais. Pourquoi je le trouve pas? Si quelqu'un voit un putain de mec sur un Oliver, skateboard... Il est à droite. Il est à droite. Ah, deuxième colonne en partant de la droite. Merci. Vous le mettez genre là ou là? Peut-être au niveau de Zerat. Après, Zerat, je sais pas ce que c'est là. En vrai, Zerat... C'est pour le kiff. Faut pas mytho. Il a rien à faire. En vrai, venez, on le met à côté. En vrai. Ok. On pose Zerat. Après, parce qu'il a rien à faire ici, Zerat. Mais bon. Ok. Moi, je trouve qu'il a sa place. Hein. Ouais. Et toi, tu l'as joué en dans ces 30 dernières ailes, Adri, ton Zerat? J'ai pas Zerat. J'ai pas Zerat. J'en vois. J'ai pas pu jouer, malheureusement. J'aurais bien aimé, hein. Ah non, c'est Rosette qui avait dit SWL. Non, c'est Rosette qui avait dit Rosette en. Rosette qui avait dit Zerat en pique. Ok, d'accord. J'ai confirmé. Ouais, je garde pour les swells. Je vais surprendre Guts. Ouais, tu veux qui Guts? En vrai, qu'est-ce que moi je kiffe et que je trouvais legit fort? Mais genre, vous savez, un peu. Ah, bah en vrai, c'est Sonia, là, mais en vrai. C'est fort, mais pas non plus broken. Non, hein. Sonia, c'est vraiment des effets de mode, en fait. Ouais. En fait, elle est bien quand les gens ils pensent qu'elle est plus bien. Et ouais, coup, exactement. Des trucs ouais, voilà. Sonia, et du coup, genre, elle est bien pendant 2-3 semaines. Et après, il y a tout le monde qui se dit putain, ça me fait chier, Sonia. Et du coup, qui bête des trucs avec full def. Et du coup, elle redevient à chier, tu vois. Exactement, c'est vraiment un effet de mode, ouais, c'est par période quoi. Du coup là, vous le mettez? Vous le mettez? Ah non, mais là au-dessus quand même, abuse. Oui, au-dessus. Ouais. Même, au-dessus. Ouais. Un bon AB. Ouais. Vas-y, en vrai, on l'a mis avec Destiny, non? Dans le haut DB quoi. Ouais, mais là, un beau B. Un bébé? Un beau bébé. Allez, j'ai une info au Babo là qui m'a dit: mec, joue Zenisek saison, trust, tu vas SWC facile. Une info comme ça, hein. Zenisek, j'avoue que maintenant avec le heal S1, c'est... Ouais, c'est pas mal, c'est quoi, pas mal du tout. J'ai envie de poser la question encore une fois, mais t'as Zenisek, Rosit? Ouais. C'est pour ça qu'il m'a dit ouais, je joue Zenisek saison pro. Non mais qu'est-ce que t'as pas à part Laura? J'ai pas Laura, j'ai pas Véronica, j'ai pas Tianlong. C'est déjà pas mal, non? C'est chaud. Okay. Zenisek, c'est le dark, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Et même le light, en vrai, il est devenu bien. Ouais, ouais. Je vois beaucoup de gens jouer le light. Ouais, du coup, tu mets tout ton Zenisek, mal, hein, avec des vues l'année et tout, là. Pas assez d'XP, mais je dirais entre A et S, je pense. Hein. Moi, je pense que c'est un bon S, hein, parce que c'est vraiment une belle crasse à tag. Hein. Ouais. Lui, là? Ouais. Un S? Ouais. Donc, je sais pas. Ouais, je dirais. Ouais. Je sais pas, je suis tombé contre ça, j'ai pas trouvé ça si terrible. À... Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait, le bro Zenisek, pour que vous le mettiez aussi haut? Il est juste anti-réducat TB et il. Non, c'est anti-CC. Il prend pas de réduit KTB aussi, hein, les gars. Ouais, c'est ça. Et après, il cligne tous ses amis qui sont CC. Bon, je suis ah, ok. Alors, c'est un bon last pick, c'est un peu moins polyvalent, quoi. De... Après, il a la bombe. Les autres S, quoi. Il a la bombe qui est forte aussi, après. Ouais. Non, mais le kit, je pense qu'elle est... Il est. C'est un heal ou c'est un mec ou... Moi, je dis un mec, hein. Pour moi, moi s'il y a pas des gros, ah ouais, c'est un mec, hein. Mec. Façon. Le personnage est assez fort avec le heal maintenant. Je trouve que c'est mieux le heal. Faut faire gaffe, mais. Des mecs, ouais. J'ai même les noms, tout ça. Ok, je vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est vraiment. En vrai, les gars, parce qu'on fait un peu dans les trucs super niche et tout là. Y'a pas des trucs comme Aigang et Oliver qui sont vraiment dans la méta hyper fort? Amour, Sagar. Sagar. Eshir. Eshir, ouais. Juno. Eshir, c'est où? Eshir, je pense. Ah, y'a pas de là-dessus. T'as pas les deux A. Bon les gars, vous savez quoi? Eshir, c'est les anges, ok? Hop, Eshir. Oh, tu mets Yennefer Light. Rien comprendre, ça vient quelque part. Mets Yennefer Light, hein. Comme ça fera semblant qu'elle est bien, tu sais. On la met où du coup, ce Eshir? Mais what? Mais quel putain monsieur, je pense. Hein. Genre, c'est un 2A qui est notre 5 tiers, tu vois. Je pense qu'on va embrouiller les gens de fou avec ça. Elle a aucun sens, la tierce. Non mais c'est Eshir, ok. Et au moins on explique ouais. Pourquoi. Parce que certes ça veut rien dire, et pourquoi est-ce que vous mettez Eshir super fort dans la méta pour que les gens sachent, tu sais, didactique, ciel, tout ça, tu vois, pédagogique et tout, tu vois. Moi je trouve qu'il apporte tellement
surtout c'est, enfin, sur skill 2, skill 3, la base speed, le fait qu'ils peuvent te boost à TB toute ta team. Il heal en plus. Ouais, il met le buff speed. Et les dégâts sur le skill 3 quand t'as des bons arts, c'est quand même pas négligeable non plus. Mais tu sais que. Il est rapide en plus, hein. Très souvent. Très rapide. Très souvent, je trouve que je joue Shir moi aussi, plutôt que Yong. Et pourtant, Yong, c'est un peu. Non ? Non, je pense que Yong, c'est bien. Hein. Et il y a quand même des fois. Je suis assez d'accord sur le fait que dans pas mal de compos, Shir, il est limite supérieur à Yong. Ouais, je suis aussi d'accord. Hein. Et ça dépend un petit peu des cas, évidemment. Mm. Bah, moi, j'ai l'impression que Yong me fait moins peur qu'un Shir. Bah. Ah ouais ? Ouais, vraiment, le fait qu'il y ait buzz speed, c'est tellement insane en vrai. Plus les dégâts qu'il peut enchaîner si tu es un mec. Je sais pas, je vais rester sur Yong parce que je suis un putain de débile et que je kiffe mes mobs, tu vois. Mais bien raison. Mais bon, je trouve qu'Eshir est vraiment OP. Après, je le mettrais peut-être pas au niveau de Laura, mais... Putain, monsieur. Il est bien haut, je pense. Moi, je pense que ça pèse. Hein. Ouais, je pense que ça pèse. Mais Laura, c'est Laura, quoi, tu vois. Laura, il y a un tiers pour elle toute seule, en fait. Vrai, je pense qu'elle mérite son tiers toute seule, c'est quand même Laura, en vrai. Bon, je pense qu'il y aura peut-être juste Véronica ou Nikki qui iront la titiller, mais... On avait dit Sagar. Vous mettez où Sagar? Parce qu'après, on doit aussi faire un peu de RTA, les gars. On va essayer d'accélérer. Ice, As. Sagar? As. As. Ah ouais, je sais pas. Ouais. Ouais, un gros A, je pense. Ouais, vas-y. Ouais. Ah, j'arrive pas à jouer, lui. Ah, bah, je l'ai pas, je suis con. Ah, c'est compliqué, ouais. Tu l'as pas? Je crois que je l'ai pas. Ah non, je suis con, c'est. Non, c'est Smicer que j'ai pas. Ouais, c'est vrai. T'as trop chiant, t'as un bombeur en moins quoi. Trop relou. Après Spicer il est trop bien mec. Ouais il est cool hein. C'est fort hein, ouais. Là, j'aime bien Spicer. Vous mettez au même niveau que Sagar ou pas au-dessus? Je trouve qu'il est un peu... Ah. C'est dur à définir. C'est peut-être un peu plus situationnel non? Trop fort. En vrai c'est quand même A parce que t'as peut-être... Après, si on est vraiment... Genre 100% comment on dit ça? Impartiel? Objectif, ça disait que peut-être tu le descends d'un coup, tu vois. Ouais. Genre en mode les deux sont A quoi. En vrai, je suis d'accord parce que je vois. Je l'ai pas vu beaucoup en action en fait et je me dis bon. Ouais, mais en vrai, Zenisek, tu le verras jamais contre toi parce que c'est vraiment du pur. Ouais. Ah, mais je veux dire, dans les replays. Même dans les replays, je vois pas. Dans les replays, je les vois pas beaucoup. Ouais. Demande à Sapin de t'envoyer des replays. C'est ça, par contre, on voit beaucoup la SWL. Oui, c'est vrai ça. Pourquoi on mettrait pas le revenge dans la tier list hein. Ouais. T'as dit quoi? Pourquoi on mettrait pas le verre des triple revenge dans la tier list? Moi je pense que c'est mieux de double revenge, Will. C'est quoi la ref? Tu les aimes tes 30% là. C'est ouais. Quoi la ref? J'ai pas la ref. Parce qu'il a joué SWL son verre des en Will. Ah ouais, c'est la macha là. C'est vrai. Mais c'était bien pensé ça. Ouais. C'est un carry hein. Je voulais savoir ce que c'était le processus de réflexion derrière tout ça. Ouais bah éclaire-nous. Bah en fait tu vois j'étais là, je ruinais mon compte, je regardais mes runes, tu vois genre j'étais là sur mon téléphone, je regardais un peu mes runes, je criais et je regardais en fait revenge to crit. Et je voyais rien. Tu vois comment ça rien, tu vois, je comprenais pas. Et bah du coup en fait j'étais obligé de passer sur du wheel. Manque de runes, manque de popo. Mais bon, je pense que t'as bien carré hein. Mais comme quoi le destin est bien fait. Ah ouais. Ouais. En vrai je mettrais. J'étais un vrai petit vénère. C'est mon coup de cœur là. Je vais la mettre. Mais là, tout en haut, gros. Vous trouvez ça vraiment si fou? Ouais, je pense que c'est grâce à ça que Tito il est aussi haut et que. Ouais, il est carré. Hein. Ouais, il est carré. Il est-ce qu'elle est quel putain, monsieur? Il fait avec toutes ses drafts, mais en fait, il fait que pique-niquer quand il peut et après, il gagne. Hein. Je sais pas s'il mérite quel putain, monsieur. Non. Si. En fait, c'est dans les combats bruiser et dans les transitions, c'est vraiment extrêmement fort, quoi. Allez, quel putain monsieur, allez, c'est parti. Objectif, cliff. Ah, en vrai, j'ai la peine de la mettre là parce que je l'ai, et du coup, je vais être dans le déni, je vais dire non, elle est pas aussi forte que Laura, que c'est pas les couilles. En vrai, VK, t'aimerais pas une petite Nikki, là, Neftis setup buff attack avec la Nikki en script damage qui implose une team, là? Franchement, je dis pas non. Après, je connais pas les damages de Nikki, mais je pense que ça doit être stylé, ça aussi. Oh bah, il y en a qui font ça, hein, pour le coup. Ah ouais? Il y en a qui font vraiment du Neftis into Nikki et ouais, qui. Ah, qui ça font clive, très hein. Très mal pour le coup. Ça clive, hein. Y'a pas de mob clive, tiens. J'ai une question, Shaizu. C'est quoi? On va parler un peu, tu vois, on parle un peu d'LD de chacun.
Et là, j'aimerais bien, j'en vois un là en face de moi, c'est VivaHell. Hein. Ah! Tu veux mettre où ta VivaHell? Tu sais que mec, j'ai commencé à jouer VivaHell et depuis que j'ai joué, je stagne de ouf. Allez hop, quel putain monsieur! Ah là! Chité! Mais après, du coup, tu la joues en Swift toi, chez... Ouais, j'essaie en fait. Vu qu'en fait, j'ai eu des step-up en Swift. Enfin, j'ai eu un step-up qui est assez énorme. Des step-up en Swift, t'étais déjà ultra rapide! Ouais, mais j'avais un slot qui était lent. Et du coup, j'ai maintenant. J'avais un set qui était comme ça. 231. Comment te voir? 231. Ça, en c'est plus, un ancien en wheel! Set. En wheel! Oh la vache! Et ça, oh, je l'avais déjà en fait. Zinzin. Ça, je l'avais déjà. Et ce que j'ai maintenant, c'est okay. Que je peux avoir un autre 230. Ah, ok, d'accord. On joue pas au même jeu en fait là. Et donc, je dis, mais... bon, ça si j'ai des runes. Ça pèse, hein. Ouais, donc je suis assez rapide, mais j'essaie de jouer. Des... Bref, il faut que je meule celle-là à 5 en fait. Et ça ferait 2-7 à 231. Il a choisi un 7 et où? En vrai, je suis fast maintenant. T'as un troisième set ou pas? Troisième set? Ah, je suis mort. Non, la Sony, elle est pas à 230 là? Qui ça? Sonia. La Sonia, non, elle est pas... Non. C'est la Wolyong, elle a combien? Elle a un 7, non? J'ai mis un 7, je la joue pas. En fait, j'essaie de jouer VivaHell en deuxième set contest, tu vois. C'est vrai que j'ai pas de troisième truc, là, de runé. Mais en vrai, VivaHell, c'est archi stylé, là. Enfin, pour ta compo, je sais pas ouais, trop, mais genre, si tu joues des mobs qui scale speed, en général, les mecs, ils veulent prendre des Léo, bah, t'as VivaHell en wheel, et du coup, ils sont dans une position bizarre, quoi. Mais j'avoue qu'il me faudra un troisième contest. Je sais pas, j'ai commencé à revenir des trucs. Ah bah, commencé. Vas-y, Mala, elle est en workout. Je pense qu'en vrai, mis de rien, les compos Zibala Robo Dark, moi je trouve c'est fort. Ouais, je vais essayer de le ruiner après, les gars. Moi je trouve que c'est des belles compos, des belles drafts. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas si populaire que ça, non? Bah, parce qu'il faut un gros shift quand même. Il faut Anne aussi. Ouais. Non. Anne? Faut pas Anne? Ouais. Pour profiter non. Du fait que ce soit... Non, c'est genre... La plupart des gens qui font ça et qui sont genre... haut, je dirais, c'est des mecs qui ont des wounds ça, tu vois, par exemple, en autre contest. Ah oui, moi, je parlais de VivaHell. Et là, tu t'es bien. Mais en gros... Wounsa, Robo Dark... Mais tu vois, ta table Google, c'est la même chose, non? Comment? Ton truc doit... Ton mob Dark, là, à côté de VivaHell, là. Ça, là? Ouais, ça, fait, lui, ça fait la même chose. Dans la tier list direct, hein. Ah non. Hop, on le met ici, hein, dans What the fuck, monsieur. Ah ouais? Et je pense qu'il n'y a pas de culture play à ce mob, hein. Il va casser les couilles. Ah ouais? Ouais, je suis plutôt d'accord avec Chez sur ce coup-là. En vrai, il mérite un petit dé, lui. Vous trouvez pas? Il y a peut-être un angle à expérimenter. Ouais. En vrai, je pense qu'il est jouable. Il est entre les deux. Tu veux climb? Ouais. Ouais. Je crois que j'ai vu comment il s'appelle Osada-san, il joue, il le joue, mais il a Anne quoi. Ouais. Ouais, il joue beaucoup VivaHell. Il joue beaucoup Anne, VivaHell, Wungle. C'est une dinguerie. Donc il serait pas t'as copié sur lui. Mais en vrai, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire Anne into VivaHell maintenant. Et donc t'as demandé VivaHell, en vrai, VivaHell, je la mettrais où sur la tier list? Tu m'as posé la question, j'ai pas répondu. On l'a mis en what the fuck, monsieur. Je la mettrais là, en vrai. Oula. Ok. Peut-être là. Ouais, moi je sais pas, je la mets entre S et A, ouais. Un truc comme ça. Parce qu'en vrai, elle est pas dégueu. Ouais, non, mais c'est je pense que c'est le meilleur anti-Léo du jeu. Clair. Moi, je pense que Jara le meilleur anti-Léo. Change my mind. Hein. Jara. Ça part où? Avec Jara, il t'a carry des games. Ouais, il est à droite, au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16. Le pauvre Mogul tout seul dans son tiers. Il nous en faut 8 de plus, et après on va faire. Tu peux mettre en vrai, prends ma Celia et mets-la avec. Hein. Celia? Ouais, Celia, ça a chié. T'as quoi toi? Tu veux un autre mec avec, hein. Ouais. Prends Nyx, tu la mets avec aussi, hop là. C'est ça? Là comme ça, ouais, mets lui plein de copains. Et là tu mets tous tes LD, Adrien, hein. Ouais, c'est ça. Quel mob? J'ai pas entendu. Nyx, à gauche. Nyx? Ouais, Nyx. T'as pas Nyx, toi? T'as chié, Nyx. Nyx sa mère? Si, là, justement. En fait, il met tous ses LD, là. Ouais, tu peux y foutre Jara aussi, si t'as envie. Ça part sur Jara. Pour le prochain BP. Franchement, on descend en FTS là-dessus, franchement. Ta gueule. Jara.
En vrai, à la base, c'était pour être un peu pédagogique, expliquer pourquoi les mobs qui étaient dans la méta sont joués ou pas. Et là, on entend que les mobs ne sont pas. Oh, mais ça va, on a expliqué quand même quelques ouais. piques. Ouais. En vrai, on va jouer en RTA après, donc vous verrez après les gens si vous connaissez pas trop les RTA. Et toi, VK, si t'as un mob à mettre en bas ou en haut? Ouais, je pense qu'on va mettre les bons élémentaires de la méta, c'est Chandra, Moor, Vanessa, Juno, des trucs comme ça, tu vois. Allez, ça part sur Chandra. J'ai une question. Chandra, est-ce que c'est pas Egan qui a donné une carrière à Chandra? Pas sûr. Parce que pour moi, la première fois que j'ai vu Chandra pique, de base, c'était SWC. Je joue mon enfin, moi je fais pas mal avec mon pôle, genre Chandra, Sagar, blablabla. Ouais. Blablabla. Et genre, tu vois, tu piques pas ton Egan à chaque fois avec, tu vois. Ouais, je peux te baiser parce que la première fois que j'ai vu, c'était l'autre. Mais Egan a donné carrière à Layla. Là, pour le coup, Kimbo, là. C'est l'inverse. Kimbo et Gang, Julian. C'est ça que j'ai pas compris. Julian, ça baisse de fou. Hein. Ah, Julian! Ah, Julian, c'est catégorie gros baiser là. Oh putain. Là ou là, ouais. Il enchaîne. Hein. Quel putain, monsieur? Je sais pas. En fait, ce mode, il met tellement la pression dans une draft que. C'est un gros S, quoi, au moins. Hein. Ouais. Ouais, un gros S. C'est là, il a un gros S, quoi. Il a un gros sexe. Bah, en vrai, ouais, il a, hein, c'est vrai. Hein. Tous les deux tours, là, bam, il te baise. Hein. Ah, bah, chaque tour qui passe, t'as peur qu'il fasse un skill 2, quoi. Oh putain, VK, t'as eu Lydia? J'ai vu. Elle se drop de ouf, toi, en ce moment. Ouais, putain, j'ai trop de la chance. Et c'est pas sur mon compte. Après Bénédicte, Lydia, mais là, t'es dans l'abus total, là. C'est pas sur le même compte, Bénédicte et Lydia. C'est ça le problème. Ouais. Le Gérald Dark aussi, d'ailleurs, t'oublies, hein. Gérald Dark, on va le mettre. Parce qu'en vrai, j'ai envie de finir la tier list. Je voulais mettre 28 mobs, mais c'est en train de me prendre la tête. Donc hop. Ça te fait chier. Bah, en vrai, j'ai envie de jouer maintenant. C'est on a trop assez parlé là. J'ai envie que vous jouiez sur mon compte. C'est important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28. Voilà. La tier list de malade mental. Les gens, c'était un petit récap de ce qu'on pensait de la méta. Là maintenant, mais il manque des monstres là. Oh, c'est peinard. Putain. En vrai, je préfère que ce sera plus simple de montrer ce qui se passe dans la méta en jouant. Donc, qui veut commencer, les gars, parmi vous, à faire genre 2-3 ailes sur mon compte là? J'irai VK. Vas-y. VK, c'est le plus expérimenté, le plus sage. Est-ce que. Ouais. Ça ne savent pas juste 3 semaines que je cite, quoi. Est-ce que tu as des mobs que tu veux vérifier en rune ou que tu veux runer ou pas? Montre un peu, ouais, les monstres principaux que tu joues. Ceux qui sont bien runés et tout, parce que te connaissant, il y en a plein qui sont à moitié runés, tout simplement. Alors, déjà... C'est pas mal de le savoir. C'est pas vrai. Attends, je vérifie. Vas-y, montre certains monstres, là. Ah, ouais. Des pièges. Ok. Donc déjà, machin, on oublie, d'accord. Etna aussi. Etna, on oublie. Okay, non, on va la runer, on va mettre une sur Etna, c'est quoi j'ai quitté. Le troisième set à 230, il arrive, là. Ouais. Attends. Ouais. Oh. Pas ouf, hein. Mais je t'avoue que je. Nul. S'il manquait une rune, c'est parce que je la joue pas en ce moment. Mais on met des runes juste pour que se compléter les speed tuning, tu vois. Ouais. Hop. Vas-y. Donc, si tu veux voir. Enfin, est-ce que quand tu vois ça, déjà des mobs qu'il te manque en termes de réflexion de draft, que tu voudrais avoir de près, tu vois? J'avoue que je suis pas habitué à jouer du Yunhong Anne et compagnie, donc je. Je pense que ça devrait aller. Peut-être okay. Des monstres en trop, limite. Ouais, il y a plein de monstres en trop, ouais. Mais si ça part en bruiser, tu vois, par exemple, j'ai du Odin, Kali, Shizuka, ça. Ouais, on peut tenter des petits trucs comme ça, ça peut être marrant. J'ai l'impression qu'on va jouer un nouveau jeu, là. Ouais, je connais pas ce jeu-là, moi. Donc, alors, si tu vois. Que des mobs qui font très très mal, hein. Oh. Que j'ai une idée. Ça, c'est du Vio. Ça, c'est du Swift. Ça, c'est du Swift, mais c'est pas en wheel. Okay. C'est un peu chiant qu'elle soit pas en wheel en vrai quand même. Ouais. Est-ce que je la mets en wheel, mais je perds beaucoup de speed en fait. Bon. Ça c'est juste un. J'ai pas vu ta destinée, elle est rapide ou elle est lente? Elle est véloce mec, elle cavale hein. Mais... En plus elle a beaucoup de cul hein. Des runes de. Jamais essayé de faire une destinée hyper lente et juste boost à TB soit avec Vivachel ou. Mais j'avais pas essayé, parce qu'à l'époque je joue pas Vivachel, donc là j'ai gardé des runes. Et je t'avoue, c'est quelque chose qui peut me tenter d'avoir un build lent en Nemesis. Tu peux la jouer gigalante et la mettre full ATB et...
comme une Cassandra, tu vois. Ouais. Ouais. Dans le même genre. Je sais pas si ça marche. Bah ça devrait marcher puisque j'ai deux speed contests qui donnent 100% TB. Si peut-être qu'on peut le faire vite fait. En vrai il nous reste un petit peu de temps donc on peut se permettre après si on voit que ça marche pas. Tu sais quoi même pendant ton tour, Rosy, on peut faire ça si tu veux. Qu'est-ce qui manque en vrai en termes de speed tuning c'est toujours du 175-180 en fait hein, pour les mobs VK pour que tu saches. Okay, donc okay. Si tu vois que le mec part en off-speed un peu plus fast, très souvent faut un gain TB sinon je me fais off-speed par des leads égaux, c'est lead 33 violent, je me fais off-speed en général. Ouais. C'est Maniki, c'est Vio. T'as un Léo de Runé ? J'ai mon Léo Vampire pour aller avec Vivachel. Ok. Il a de la res pour pas grand chose et pas beaucoup de précision, j'ai un peu inversé les deux stats. Il est un peu squishy aussi. J'aime bien qu'il tape en fait si j'ai Vivachel tu vois. Oui. Tu veux que je mette une rune à HP? Non, c'est quoi? C'est que on va le garder comme ça. On va le garder comme ça. De quoi? Tu veux me remontrer des slots 6? Elle pue la mer, mec. Oh, elle est mec, c'est que je l'ai jamais joué avant. Alors, même pas, je me t'ai dit. Même pas, je me t'ai dit, je vais le respecter, tu vois. Mais chie lui à la gueule. Ah, j'ai dit, ouais, bah les couilles, hein. Ah ouais. Ouais, peut-être qu'on va faire un truc comme ça. Ah ouais, j'avoue que je peux peut-être le respecter un peu quand même. J'avoue que j'ai jamais cherché à le respecter. Rien que ça, c'est un peu mieux déjà en fait, non? Après, il a pas 100% crit. Ouais, t'inquiète, 2%. T'inquiète. Oh, pourquoi j'ai mis ça là? En vrai. C'est quoi 2%? Mais gros, pourquoi t'as de la res sur toutes tes runes? En fait, je crois qu'il y avait un moment où je voulais qu'il soit 100% res. Et ça devait être médi. Tu peux pas faire une Mio sans res ou un truc du genre? Un quoi? Une Mio sans res. Hein. Mio sans res. Il y a 2 ans, 3 ans. Ah, cherche pas à comprendre, il joue des âmes du hat en compétitif. Quoi ça 21-21. Après, 98 100, c'est pareil, non? Ouais. En vrai, j'aime bien quand même qui crit. Il y a vraiment pas de rune, putain. Moi, je sais qu'on m'a toujours dit 98 c'est 100. Est-ce qu'il y a de précision ouais, en vrai, bah, c'est juste deux noms, quoi. J'étais souvent en vocal avec Donné. Quand je lui ai demandé 98 c'est 100, il me disait oui. Il y a pas mal de raisons. T'as corrompu. Et c'est comme ça qu'on a perdu le tournoi siège. Hein. T'es parti VK, tu dois me carry manger 3 maintenant. T'as 2-3 combats. Et let's go. Ouais. Ça va le faire ça. 2-3 combats. Ah ouais. On fait chacun, tu vois, on tourne, tu vois, pour voir les différentes façons de penser. en vrai. On sait rien. La vérité, c'est que je m'emballec un peu. Au pire, je pense que demain, je vais ruiner mon compte. Scribble ou donc, parce que le truc de Vivachel tu vois je sais pas si je ferais pas mieux de jouer safe de mettre une secmet à la place et jouer des élémentaires tu vois safe t'as dit elle dit safe et secmet dans la même phrase ouais bon j'avoue ouais, ça va être frustrant à jouer ça je pense en fin de saison en plus à chaque crise tu vas t'auras le poing serré là ouais j'avoue encore Vivachel t'es sûr de prendre le tour ouais t'es sûr de ce qu'il fait sur S3 avec Vivachel hein. Ouais, non, t'as raison. En vrai, c'est une mauvaise idée. Mais j'ai vu des gens jouer à 7 mètres et je me dis, oh, en vrai, c'est. Il a changé d'avis 3 fois en une seule seconde. Ouais. Ouais, non, je vais changer. C'est alors bien. Ouais, non, vous avez raison, Vivachel, c'est bien. Ok, des petites fesses. Méfie-toi. Belle pépé. Belle paire. Ah, là, c'est bon. Ok, moi, je partirais peut-être sur Oliver. Est-ce qu'on partirait sur Yeonhong ou plutôt Vivachel pour tester? Peut-être plutôt Yeonhong. Tryhard. Choisis, hein, d'accord, 5 secondes. Yeonhong, ouais. Ah, Yeonhong, ok, d'accord. En vrai, on va voir les plus. Ok. Bon, bah là. Ok. Si tu te sens confiant, hein, l'autre speed. Ah, tous les jours. Bah, du coup, il faudra Vivachel si on veut 2 commits. Au pire, on pourra mettre un Léo après, ça, c'est plutôt cool avec Vachel. Et bah, limite, on met le Han pour avoir un peu de punch. Ouais, c'est ce que j'aurais fait. Putain, il est vraiment chaud. Je suis... Ouais. T'as un qui manque de runé ou pas? Il manque de strip? Je sais pas. Bon, en vrai, Eshir, c'est pas en wheel. Robot, un truc comme ça, tu vois. Ouais, en vrai, je mettrais robot Dark, un truc comme ça, ou robot. Robot là, il part tout. Il veut vraiment le speed, hein. Mais jamais il m'a le robot dark all day long. Hein. Ah ouais, là on peut limite mettre un robot dark.
Ah, moi ça. En vrai, même le Léo, il est bien. C'est pas robot vent en fait plutôt parce qu'il va peut-être. Ouais, non, il empêche un peu ta Yon Hong de faire des gros dégâts. Oui. Tu peux mettre un robot vent, tu peux enlever son lit de 33 et tu le speed. Hein. Valide, c'est toi qui décide. T'es une baleine, VK. VK, chez vous. Tu dis robot, il est bien, il est bien. Tu peux enlever la Vanessa, son lit de 33 et. Vas-y. N'hésite pas à me dire c'est mon dernier mot pour que je sache vraiment ce que tu veux dire, parce que des fois c'est pas facile. Ma dernière bafouille. Hein. Vas-y, vas-y. Bah là, t'outspeed avec Vachel, tu donnes le tour à Robot. Et... Ah, il va chier si fast. Imagine là où t'outspeed. J'avoue que si mon speed avec un moins bon lead. Après, c'est le meilleur speed de base, donc il y a moyen en vrai. Ouais, ouais mais t'es à 230. Ouais, non. Ah, je sais pas. T'es en géant. Vraiment, hein. Okay. Oh, facile. Easy. En vrai, t'as fait la même draft que j'aurais fait, donc c'est bien de voir que. On est, là, on est casteurs ensemble, tu vois, on a vécu des choses, tu vois. Ensemble, mec. Alors, pourquoi il fait pas de dégâts ton robot? Parce que j'ai des runes de merde déjà, non? Déjà, les deux stuns, ils font un peu chier. Tu fais quoi? Voilà, ouais, c'est bon. Tu stuns genre la Véronica en first, je pense. Hop là, ça c'est du robot, petit robot. En fait, bah, limite, tu vas sur le mur, du coup. Petite question. Ces bruitages, vous les entraînez quand vous faites les castings ou pas? Bah, c'est ça la répète, mec. Genre sort un, sur Etna, tout comme ça. Les répètes, ça sert à ça, hein. Ok. Capté. Bon, en vrai, je peux finir, hein. Je pense pas que t'as plus oui, besoin. Oui, bah là, c'est gagné de toute façon. Vas-y, t'as une petite bite. Ah, voilà. Et là, tu te fais 2v4. Ce serait vraiment dur. Imagine avec l'ancienne Véronica. Tu sais qu'il est très squishy, donc il y a un monde où le skill 2 il va faire mal. Hein. Non. Il jette presque musique. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? En vrai, peinard. Sting. Oui. En vrai, mais peinard. Ouais. On sent pas bien là. Ah, mec, les gars, Vivachel solo, hein. No joke, hein. Suffit que tu crites et t'as gagné en fait. Mais écrit, c'est 100% crit, mec. Ah ouais? Ah putain. Non, je rigole, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. T'as quand même des runes de l'espace chez Zou. Alors, ça dépend. Je suis choqué là. T'as envie chez Zou? En vrai, c'est pas vrai. Tu me dis du Vio, mec, non. Non. Même là, mon robot vent, t'as dit, pourquoi il fait pas de dégâts? Ben, parce que je l'ai pas respecté du tout, en fait, tu vois. Ah, c'est des artefacts, je pense, hein, clairement. Ouais, peut-être les artés. Ah, en vrai, bah, bon, en vrai, est-ce que je l'ai respecté en vrai? Tu vas le nick. Oh, je t'ai fait passer G2, bah, de rien, en fait. Juste okay, de rien. Ton site. 130, ouais, j'ai pas respecté, j'avoue. Précision sur 2-3. Ah ouais, bah là y'a rien. Y a rien à droite. Ah oui, bien qu'à Tu sais qu'il y a des morts, ouais, jamais. Et qui gardent des artefacts d'il y a 6, 2 ou 3, 4 saisons. Et je crois que c'est ce genre de truc en fait. En vrai, les 8% de réduction pour les Etna, je pense que c'est... Ah, c'est bien. Hein. Ouais, il faut je pense vraiment un trip, non? C'est pour les Sonia, c'est comme ça, c'est un robot anti-Sonia. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais. Pensé, ah mais c'est parce qu'il y a 59 de précision, ouais. Ah ouais, ça se comprend. En fait, t'essaies d'être à 85 sur les runes pour mettre full multit sur les... Ouais. T'sais. Et j'ai qu'une seule rune précision, en fait. Bon, t'es tanky, hein, 24 000 HP. Oui. Ah bah non, je peux faire ça, en fait. Ouais, j'avoue, je joue pas chez vous. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, t'as plus de wheel, méfie-toi. Oui. Là, t'as déjà une wheel. Non, j'ai une précision de ouf, ici, là. On joue pas Shun Kong. Ouais, sur Shun Kong. T'as une précision 6. Pas besoin de CP, je pense. Ouais, CP... T'as même runé le truc feu là, Zima. Ah ça je mets ça en flicon quoi. Ah voilà. Ça c'était bien ça. Plein de stats là. Non ni d'un quoi lâché. Combien d'HP là? On va prendre ça là les gars, hop. Ah Zi. Voilà, c'est mieux. Et à droite on met un truc avec plein de stats. À droite, multi-speed, tout ça quoi. Ouais. Alors j'avais fait un filtre pour ça. Mais alors est-ce que je l'ai fait. Ouais. Ah, pour ça? Ah non, fuck. J'ai oublié de le faire. Et tu le joues pas, Etna, si? Ouais, en vrai, t'as raison, Etna, let's go. Vas-y. Oh my god. Oh, il va tellement taper là. Oh là, il va avoir des revendications, le robot. Oh. C'est quoi, je veux first pick le robot quand c'est ma game. Oh, les 4 lignes comme ça, full artefact, ouais. Ça fait plaisir. En vrai, j'avoue que d'un coup, je suis content. Je vais y avoir. Le fils, c'est pas si cool, fou, c'est vrai. Trop beau vent. First pick, trop beau vent. À toi, Rosite. Ou VK, tu fais un deuxième? Non, on peut aller à Rosite. Hein, en vrai, à la base, j'en faisais deux chacun, mais... Qui va?
Terrosite. Vas-y, tu prends un petit Anne Viva. Anne Viva, let's go. Big Balls. En ce moment, mon truc, c'est Anne. Oliver, mais... C'est bon. Et elle est déjà en pleine réflexion, maintenant. Ah, tu l'as déstabilisé, hein, je pense. C'est dans sa tête, là. En vrai, je suis curieux de voir comment vous jouez. La semaine dernière, c'était intéressant, quand il y avait... Attends, c'était... Dédéfion, June, et le troisième qui s'est bien joué, c'était qui c'est... Tutu. Ah ouais, c'est Tutu ouais, qui s'est bien joué. Des cheveux, hein. Moi, je prendrais peut-être... comment s'appelle la Young Dark, là? Wolyong. Ouais, Wolyong et... Elle est pas Destiny. Rapide. Hein. Elle est pas rapide, hein. Plus pas grave. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de... Ok. De compter, je pense. Et la mode Big Balls. Là, on est objectif ou pas, là? Ça clive ça, là. En vrai, je t'avoue que Destiny, y j'étais d'accord. Il n'y a pas de mob en Swift en face pour l'instant, donc... Là, t'es sûr d'avoir le premier tour. Voilà. Mais là, il a pas de strip aussi dans sa compo chez Izo. Balek. T'inquiète, la machelle en Némésis. Mmh. Et l'audio aussi. Ah. Et tu sais qu'on me dit toujours ça aussi, et ça marche, hein. En vrai, les Gapsu, ils sont rarement en wheel pour le coup. J'ai l'impression, en tout cas. Par contre, ils sont à 100 res, quoi. Du coup, il s'est couché, là. Qu'est-ce qu'on peut prendre? En vrai, c'est le moment où tu mets ça à notre joke, hein. Ouais, on pourrait partir Big Balls et prendre Mugwol, ou j'aurais pensé à la pure vanille haut là, mais... Ah, moi j'aurais dit Mugwol, hein. Allez, Mugwol, pour le beau jeu. Ouais, oh, même Nikki pour l'anti-hilt, tu sais. Non. Non. Et tout dans le tryhard. Non. T'as dit petit Mugwol. C'est cool, Nikki. Ça le chier. Moi, je l'avoue. Tu bannes quoi, là? Moi j'aurais ban ça, mais c'est le seul stripper, tu mets Nimu donc. Ah, ça strip ça ou pas? Ouais, si, ça strip ça aussi. Ah, ouais, ça vole les filles, t'as raison. Ouais, vas-y, bah, tu peux le ban. T'as l'un être... Ouais, le mec, le. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, merde, tu voulais dire ça marche aussi. Désolé, en fait. Je sais plus c'est quoi ce ton. C'est le dark du coup là. C'est là ou ça? Oh, le lit test non. Ça va? Vitesse non. Ah, vitesse? Ok, d'accord. Fuck. Putain, il avec le lag, c'est facile. C'est très grave. Il est matrixé. Hein. Ah, il a vu l'attaque 50%, il a dit il faut que j'y aille là. Ça sert à quoi avec les speed dans tous les cas, ou low speed, mec? Ouais, bah. Je pense que tu peux boost Mugwol, non? Comme ça, tu mets la menace. T'es une menace, hein, pour la société. Oh, et là, tu mets la menace sur Vivachel et tu strip tout le monde là. Easy. Sur Vivachel, let's go! T'es sûr? Il la réveille, hop. Elle s'est fait réveiller. Ok. C'est qu'elle est moins fragile. Elle est plus squishy que lui, c'est pour ça que j'aurais... Ah oui, c'est vrai qu'elle est fragile. Mais bon. Et là, il va... Oh, mais tu vas le boost à TB. Merde. Tu vas le boost. Oh mince. Non, mais tranquille, il va prendre le wheel. Oh mince. Oh mince. Attends, comment tu t'en sors, là? Mais t'es dans la merde, t'es foutu. Oh putain, il a pris la menace. Ouais, c'était pas ouf ce combo là. Non mais tu là c'est il est broken le mob, tu le one shot non? Sors 2 ou sors 3? T'as une petite bite. Ouais, sors 3, on y va non? Allez, hop. Proc après. Oh, go. Et proc. Lucky. Dommage. En vrai, il y a quand même moyen. Ouais. Mais en vrai, le plan de jeu, il marchait bien là s'il prenait pas la menace. Hein. C'est vrai. C'est pas perdu ouais. Encore, c'est. C'est pas encore perdu. Chevan, il est pas là. C'est perdu là? Non, c'est ok. Non, je pense que tu le gagnes. Sors 1 ou sors 2? Le sort 1 fait plus mal, non? Je posais des questions, mais t'y as répondu. Je soigne ou pas? Heal, du coup. Ouais, je pense. Puis après, mission dismount la macha, non? Je pense que c'est l'idée, ouais. Boum, 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 boum. La compo a l'air fun à jouer pour le coup. Tu vas sur qui là? Là tu sais de proc un d'esper à droite, je pense. Let's go, bam. Allez hop. À droite et pas c'est cool. Ah ça joue hein. Eh ça joue hein. Par contre Mohan il dégage là. Aussi, ton choix d'aller à droite et pas à gauche. T'as une préférence pour ce côté? Là je pense que tu tapes la machin non? Attention Adrien. Je pense que je vais proc Abelio mais c'est...
C'est pas ta chaîne, hein. Stan. C'est le machin, du coup. Dis-moi, t'as besoin là. Ça a commencé à être compliqué, là. Ok, t'es bien, c'est mon truc, mec. T'inquiète pas, je suis locked in, là. Oh, je crois que ça sent pas trop bon, là. Ça sent pas trop bon, mais en vrai, c'est ok. Vivacha, elle est là, t'inquiète. Tu veux pas... Ouais, je pense que tu es one-shot la machin, là, facile. Il faut un gros crit, Un crit. Ouais, c'est bon, un crit. L'allume, hein. Ah, t'as crit, après. Hein. C'est vrai que j'ai crit, en vrai. Et t'as obéi. Tu résistes. Oh, incroyable. Ouais, on prend un autre crit. Ouh, boum. Ah, ok. Ah, bah là, c'est... Oh, là, t'es bien. Sur lui, là, tu mets... Ouais. Putain, qui triple d'espère. Triple stun d'espère là. Même sur Macha. Putain. En vrai, c'est compliqué là. Tu penses C'est vrai que la Vivachelle. T'as pas S3 avec ta Viva T'as pas S3 Oh, t'allumes le truc à gauche, ouais. Oh, tu peux pas le dire, de toute façon, tu y es, mais. Il a son soin en fait, donc c'est pas si ouf, non. Mais elles sont là. Ah ouais, putain, bah en fait, elles finissent tout là. C'est bon. Ok, je vous dis. Ah, les gars, mais... C'est pas si ouf. Ah, t'as pas gagné, merde. Non, mais il a trop chatté là. Il a pris la menace tour 1. C'était win. Sinon. C'est vrai que parmi tous les buffs qu'il a eu, il s'en est bien sorti, le monsieur, ouais. Là, c'est pas fini là. Oh là, c'est vraiment dans la sauce, hein. C'est pas fini, Copium. En vrai. Non, mais là, si on tue la Bilo, c'est bon. Ouais, tu crits. Là, t'es bien là. Petite menace sur Vivachelle. Ah merde. J'espère. Oh putain, la mise en mouvement. Putain, je vais K. Putain, pourquoi je vais K chez Isou. Je me prends les pieds dans le poisson. T'inquiète, en vrai, c'était le bon choix. En fait, vous êtes comme Bonnie and Clyde et c'est pour ça. Non, non, tape sur le Abelio. Et là, ouais. Tu fais un maxi crit sur le Oliver après. Je veux pas soigner plutôt. C'est un truc de petite bite de soigner. Vas-y, il est. Je pense qu'en fait, c'est pas mal de soigner là, non. Vous êtes des tarés ou quoi, nous. Ah, c'est pas nous qui avons mis la menace sur le monstre à 1 HP. Hein. Et petit stun d'espère, là, on est bien là. À gauche. Ouais. Bam. Non, à droite. En vrai. Là, je crie, je le tue à droite. Ouais, là, t'es obligé de tuer, là. Allez, quitte. Un petit 11 000. Putain. La vie va chez les... Et là, c'est full skill 1 et tu le tues. Winnable. Désolé, j'y croyais pas du tout, en fait. Alors qu'elle l'a fait, je suis assez content d'elle. Je suis assez fier d'elle. Ok. Là, elle va se faire satelliser par Abelio, là. Jamais, mec. Non, t'inquiète. Elle vit. Elle est tanky. Ouais, c'est un mob tank, hein, à la base. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il faut faire le soin dès qu'on l'a, non. Faut pas se prendre des scènes aussi. Putain, il faut pas de proc là. Mais t'as une victime un peu à et soigner. Un petit slip. Ah putain, résistance, la chatte. Ah oh le bâtard. T'as fait le sac. Tu devais la gagner. Hein. Tu peux pas le faire sur toi-même ce truc là ou pas? Si tu le fais sur toi-même. Full life, non quand t'es full ATB avec 0 HP là. Bah si, tu peux le faire en fait. Je veux carrément le faire. C'était bon. C'était clair. En vrai, la compo elle était pas si dégueu que ça, non? Non, elle était pas si dégueu. Franchement, ça allait. Hein. En vrai, c'était carrément beau à faire là. Pour monter. Mais après, tu donnes un tour sans rien faire. Je pense qu'il soigne. Je pense que ouais, il doit te réveiller en soi. Non, en vrai, c'était le move. Parce que là, dans tous les cas, je pouvais pas le tuer. Bon, en vrai, j'ai aimé ta compo. Le stream, là, je tue. Ok. J'ai aimé ta compo. Il souffle, ça va bien se passer. T'as juste pas eu de chance au début, je pense en vrai. Pink Junior. Tu penses que c'est un compte qui booste ça aussi ou pas? Ragdoll Vivachel. Hein. Léo Vivachel. Vivachel, Léo. Ah non, regarde, c'est ça. Je confirme, c'est ma dernière baffe. C'est notre cible alliée, Vivachel. On peut pas le faire sur elle. Vivachel, Léo. Vivachel, Léo? Ouais. Ah ouais.
Ouais. T'as des choses à revendiquer là, Adri. Du coup, on pouvait pas, hein. Vivachel, on pouvait pas sur le même. On n'a pas mis play. Ok. Là, il nous baise un peu, mais t'inquiète. On n'a pas peur. Elle est comment, t'as niqué, entre nous? Tu peux me montrer ou pas? Ah, bien sûr, je montre tout, moi, j'ai aucun secret. Ok, j'aime bien Taniki. Elle a du chien. Ok, il a pris Syrah. Alors toi, tu vas prendre Nikki Destiny. Destiny? Elle est pas en M6, hein? Ok, je te le dis au cas où. M'en fous. Okay. M'en fous. Au cas où. Je dis au cas où, tu vois. Alors là, j'ai pas le plan d'action en jeu, là, tu vois. Ton schéma de jeu, là, je l'ai pas encore en tête, là. Mais bon, c'est ok. Et là, en last pick, tu mets un âme du hat. Oh putain! C'est quoi comme hot mom noir? Comme hot noir, déjà, Léo est pas spécialement noir là. Oh! Mais attends, mais ça c'est. Attends. Est-ce que t'as qui? Oh, attends. Là, je me concentre. Vas-y, rassemble ton chakra. Oh, c'est dur, hein. Bah, en vrai, je mens pas, là, c'est une game mongol, hein. En vrai, d'un côté, je suis d'accord. Tu bannes la Gisèle et... ou bien le lait ou le verdé. Ah, c'est marrant, je voyais pas ça comme ça du tout par contre. Moi je banne Etna, elle, y a pas stripper et je... Ah ouais, j'avoue, ouais t'as raison, ouais t'as raison. Oui. Ouais. En vrai c'est, moi je suis là pour apprendre, mine de rien. En plus t'as le méga lead attack là, je pense que... Ah ouais, lead attack hein. On l'a destiné là. Oh, tu vois, il est refait là, lead attack. Il est tellement mort. Mais oh, je comprends pourquoi il était aussi efficace Adri la dernière fois. Mais il est foutu le mec hein. Ah je suis abasourdi, le pauvre hein. J'ai de la peine pour lui limite. Tu veux quoi en focus au premier mec? Tape sur Verdé. Putain, t'as l'air de merde J'ai pipé. Mets-le sur toi-même et après tu fais S2. Ok. J'aurais dû donner la consigne, faut essayer de gagner tu vois. Ah merde. Imagine. Stun Desperaos, ça c'est ma consigne. Hein. Ok, sors de là. Envoie la S3, gros, t'en as rien à foutre, tu le démarres. Là, il faut juste pas qu'il proc revenge. Et il proc revenge. Oh, mais il a proc. Faut pas qu'il crit. Oh, il a crit une fois. Ouais. Là, c'est suffisant avec Léo. Non, t'inquiète, tu temporises. Hein. En vrai, je pense que le strip, je l'ai un peu balancé. Fallait peut-être pas le balancer là en fait, tu vois. Ah tu penses? Ouais. Ah ça aurait peut-être. Mais t'inquiète, il va sortir vite de sa merde là, il a un verdé et tout. Toi t'es immunisé. En vrai, mets-lui un oblivion. Ouais. Mets-lui un oblivion là, comme ça il arrête de cycler et il ferme sa gueule. Moi j'aurais dit on tape dessus pour qu'il joue plus vite, non? Non. Ouais. Ouais, on fait la même. C'est pas grave. Moi je pense que c'est les bonnes idées là que je te donne. Hein. Faut que tu notes plus en calpa hein, chez Zoo. Quoi? Genre d'expérience, tu l'as qu'une fois. Hein. C'est vrai, ouais. Je partage pas souvent mes techniques. Hein. En vrai, là c'est de la sauce, tu vois. Il y a beaucoup de menaces. Ouais, il y a des buffs, mais t'inquiète, toi t'as de l'immunité. C'est le premier. Tu vois, tu peux taper partout. Au final, ces buffs ils servent à quoi? À rien. On soigne un peu ou pas là? Je sais pas, t'as une petite bite ou pas? J'ai une petite bite, moi, micro-pénis, moi. Ouais, tu vas soigner alors. Il est là pour abattre l'ennemi ce soir. Ah ouais, non mais il veut. Vas-y, fais un quelqu'un là. Où ça te plaît? C'est quoi? Là je suis généreux, je te laisse un peu de liberté, tu tapes où t'as envie. Let's go. En vrai je pense que Léo solo de toute façon. En vrai de vrai, Léo solo là. Full copium, by the way. Tu le fais... Non, pourquoi t'as pas tapé le verdé? Tape le verdé, fume-le. Parce que la menace... Non, je peux pas. Je peux pas. Non, je suis honnête. Non, moi, je t'en enculé. Désolé. C'est ok. Et deux tours de menace. Ok. T'inquiète. Tu peux en revenir. C'est pas foutu. Oh merde. Je pense que j'ai pas... T'as manqué un petit truc. Ouais, quand tu non, devrais... mais... Ouais, non. Ouais. En fait, j'étais bien. Mais
Ouais, c'était pas... J'ai un PTSD avec ce mob, hein, c'est pas de ma faute. En même temps, il t'avait dit de taper VRD premier tour, tu l'as pas fait, ouais, quoi, c'est pas normal. Pourquoi tu l'as pas fait? C'était pour que justement il joue avant toi et que tu fasses tes spells. Hein. C'est vrai que Limus, ça aurait fait gagner la game en fait. Et on me prend pour un con, un lunatique, mais en fait, moi je réfléchis hein, quand je dis des choses. Hein. Je suis pas là pour te faire perdre. Hein. Oh. T'es quoi, allez? Moi je propose que Adri fasse la dernière. Ouais, voilà. Pour se rattraper un peu là. Ok. Tyrannage qui sexe. Il y a de ça aussi. C'est vrai que en soi, le Léo est pas non plus premium. Jésus, je te laisse pas marcher dessus. Mais. Tyrannage, ils sont très bien. Le truc, il faut quand même dire. Que t'as fait des choix douteux. Non. Mais... Et j'ai plus G2. Tu t'es fait l'Oxac, c'est tout. Tu t'es fait l'Oxac. VK, faut que tu me reprennes mon G2 là. Andy Vachel. Vachel, c'est la sûreté, non? Ouais, c'est bien, Andy Vachel, non? T'aimes pas? Au pire, vous pouvez tirer carte à plusieurs, hein, si c'est plus facile. Il veut qu'on le sorte de là, t'sais. Sortez-moi de là. Prends Yonon, Gros Bodark. Yonon, Gros Bodark. Ouais, ouais. T'aurais pas pris plutôt la Yonon, Gros Bodark, là? Quoi? Avec Gros Bodark? Quoi? Non, moi je kiffe. Mais tu kiffes quoi? Qu'est-ce que tu kiffes, Rosite? Quel mob? Ah, la petite Yung Dark là. Ah, Wulion? J'ai de l'œil. Ah non, mec, Wulion. Ah. Non, c'est flop. Ah non, c'est flop. Hein. Si même moi je dis ça. Voilà, il faut que vous décidiez, les gars. Là. Il reste 20 secondes. Destiny. T'as dit quoi, Destiny? Ouais, Destiny. Vous avez pas Destiny là? Ok, mais tu bannes quoi? Non, en vrai, c'est une bonne rune Nikki. C'est une bonne game Nikki en vrai, non? Nikki? Entre nous. Ouais, mais même Syrah, c'est pas mal. Deuxième lead speed. Pourquoi vous faites une jouquée genre haute Nikki, c'est bien, non? C'est là, tu. Je vais écouter VK, les gars. En fait, VK, il a dit Syrah. Et là-bas, c'était sa game. Il s'est fait voler sa game, le pauvre. Tu bannes quoi? Ah, c'était ma game en plus, ça? Oui, c'est ta game. Ah, mais je suis pas d'accord. Hein. Tu bannes quoi, VK? C'est quoi, ban Laura? C'est toujours un ban Laura. Ah, Laura, c'est... On n'en peut plus de Laura. Et moi. T'as vu, il a ban Syrah. Le ban à speed, t'as réussi. Lead quoi? Lead ça? Bah, speed toujours. Allez, speed. En vrai, quand je sais que je suis extrêmement plus fast, je vois pas l'intérêt en fait de mettre le speed en fait, tu vois, pas tant que ça. Bah, c'est du skilling speed, hein, Yann Hong, tout ça. Ouais, c'est toujours un peu de speed. Ah non, elle est pas ban, je suis con. Elle est ban. Ah ouais. Après, de toute façon, elle est pas dark, mais. Mais c'est bien de prendre. Un adversaire, tu vois. Du quoi, mec, faut que tu me dises. Tu peux donner le tour au robot là pour l'instant. Ah ouais? Ouais. Ouais, okay. On va cycler, on va réduire KTB. Après, on va taper avec en vrai, t'as pas perdu. Avec Katutun là. Il est en despair au cas où. Tu quoi là? Je pense qu'on va limite faire. Est-ce que tu tues? Est-ce que tu proc le ABL ou pas? Tu connais tes dégâts? Ouais, je le proc. Si je fais un sort 2. Juste un skill, hein, si tu proc pas. Ouais, ça fait un sort 1. Ouais. Ouais, donc tu peux dismount Macha au pire. C'est moi ou j'ai pas proc le break def et du coup. Oh le flop! Non, putain, fais chier! Oh! Tu fais un effort aussi! Le qui, Shay? Alors les gars, j'ai pas de proc d'esper. J'ai pas de dismount. Mais après, je pense que le draft était perdu de. Depuis un petit moment là. Le draft a été bien. Bah en fait, ça dépendait des despairs du robot Dark, en fait, tu vois. Parce que Yong et Vivachel, là. T'es sûr qu'il était en despair, le robot? T'as dit quoi? T'es sûr qu'il était en despair? Ah ouais, je suis sûr. Là, c'est un continu, en vrai. Là. Par contre, moi, je me dis que c'est un vrai. J'ai joué Syrah, moi. C'est vrai que VK, il a dit Syrah. Sur une draft de Adri. Ah, t'es bien ma draft. Ouais, moi si j'avais ton compte, ce serait la draft que je ferais, je pense. Mais. Je vais vérifier quand même. Moi je pense que Andiva c'était stylé, mais peut-être Yumon qui servait. Oh ton robot? En vrai, je pense que c'était peut-être Bavan Laura en vrai de vrai. C'était Ban quoi du coup? Abelio? Ouais, genre Abelio un truc. Abelio. Ouais, pour moi c'est toujours Ban Abelio. Laura, je l'ose speed donc elle fait pas grand chose en général. Ouais, c'est ça. Robot. Et j'ai pas des despairs à Sinsane en fait. Ah ouais? J'ai ruiné quoi en despair? J'ai ruiné lui, Aigang. Et cool. Vanessa. Ah, j'avoue que Vanessa a pris des grosses desper pour rien en fait. Oh, Vanessa en desper, toi t'es démoniaque. C'était marrant en fait. Plein de malice, hein.
Ah, en plus, elle est un peu. Il remplit de malice chez Zizou. Mais c'est vrai qu'elle prend des risques. Elle s'entraîne avec toute la couleur. Il se frotte les mains quand il fait son FRR. Pourquoi tu lui as pas mis un set revenge, hein? En vrai. Ah, en vrai, je sais genre, pourquoi. En vrai, en vrai. Et comme ça, fais-les jusqu'au bout, j'ai envie de te dire. T'arrêtes pas au milieu, Shay. Hein. Un truc comme ça, ah, y'a pas beaucoup de précision, tu vois. Ah, la précision, ouais. T'as pas un gros artefact de précis là? J'ai 20, je crois, ça tombe à 20, je crois. Il y a des CC, précision sort 2, 19. Je peux monter peut-être à 21, un truc comme ça, je crois. Mais c'est pas beaucoup, hein. Là, il faut quelqu'un qui se décide et qui fasse la draft entière pour qu'on voit le raisonnement vas-y, d'un Rosy, joueur. Rosy, hein. Non, non, VK, vas-y. Rosy, c'est le master draft. Okay. Je fais moi ouais, vas-y. Vas-y, parce vas-y qu'on Oliver. Tu t'es fait voler une game. Oliver. Je me suis fait voler. T'as dit Oliver, du coup ouais, ouais, Oliver. Vas-y. Tiens, là, on peut partir peut-être sur Nikki. Et moi, je mettrais genre... Est-ce qu'on peut mettre Anne aussi rapidement? Ouais, moi je mettrais limite le Anne maintenant. Vas-y. Mode anti-browser, tu vas tout défoncer. Merci Tic pour ton sub. J'avoue que c'est un truc que je fais à peu près. Je mettrais même Destiny à ce moment-là en fait. Mais... Ok. Mais après, c'est bien de voir ta façon de penser parce que moi je suis débile. Donc c'est bien de voir ta façon de penser. Oh, t'es dur avec toi-même, je pense, Shayzo. Non, mais vraiment, je suis vraiment débile. Hein. Le robot il est en dispère, on est d'accord. Ouais. Ouais. Mais... T'as pas des petits contests? En vrai, le robot. Ah, il prend une ongle. À la rigueur, ce qu'il peut faire, c'est genre du Vivachel Léo, un truc comme ça ici. En vrai, ouais, ce serait stylé là. Le problème, c'est que ce Léo il est vraiment squishy. Ah non, on l'a mis un peu plus tranquille là. Ouais, il y a genre 3000 HP de plus. Ah non, c'est pas le bon, fuck, sinon rage, je suis là. Je sens que t'as pas pris. T'as c'est vrai qu'il y a des pièges partout sur le compte. Ouais, ok. Ah, c'est le mob qui est ruiné. C'est toujours pas le bon. Il est sous le jack des. Ah, c'est bon. Mais il y a combien de Léo là? On est bon. Putain, mais t'es un tryhard du siège ou quoi, Shayzo, avoir autant de Léo? J'ai deux Léo. J'ai un Léo en fait que j'ai gardé pour si on essaie de me lui chaîne, je le mets là et il one shot. Vraiment des gens qui essaient de te lui chaîne le grand Shayzo? Une fois par saison. Moi j'ai envie d'écouter Tito et je dis bonne last pick draft ici. Vas-y. Bonne idée ça. Ok. Speed hein, quand même, je pense. Les speed? Ouais, comme ça tu vas quand même jouer potentiellement après avant ces monstres avec le reste. Ça part. Putain, y'a pas le combo broken du Vachel Léo, je suis déçu là. T'es chié. C'est chiant ça. Il est en wheel. Un petit skill 1 sur Camille au pire. Bam! Petit skill 1, t'as dit, mais c'est un gros sort, hein, mec. C'est vrai ça? Ouais, elle l'a démonté, hein. En plus, ça fait plus sa Camille, elle a même pas les skins siège, hein. Loser! Bah, j'ai très perdu là. Ah, t'inquiète. Oui. T'as pas eu le break def là déjà. J'ai quand même bien perdu. Après? Oh, le sac. Après, t'as le sustain sur ton Léo, je pense que ça va être décisif. C'est vrai ça? C'est bon, pire qu'il va carré. C'est qu'il est en pire. Ok, t'inquiète pas, tu vas proc avec Oliver et c'est à partir de là que tu vas gagner. Allez, ça marche. Avec Nikki aussi, non? Allez, on y croit. Avec Nikki aussi, tu sais quoi? Deux pour le prix d'un. Regarde les tantines que tu lui envoies là. Il n'a pas le temps de respirer. On m'a promis Sleep, des procs. Des procs? Ah. Sur le seul qui a pas de sort. Sur lui qu'on voulait, mais. Oh, vas-y, skill 1 saga. Tu mets des petits dots là. Des gros dots, mec. C'est vrai ça? En vrai, regarde, mine de rien, au fur et à mesure, c'est lui qui a le mob qui baisse ses HP, pas toi. Ouais. Ouais. Okay, regarde, il tank. Le Anne, il est obligé d'HP moine, là, non? Non. Il est obligé de... Il y a des couilles, hein. Oh. En vrai, est-ce qu'il y a là, pas un move que tu tentes de rééducater ouais. B, Vanessa ouais, ouais. C'est le move, hein. Résiste. Oh, résistant. Grave, le tag fait chier. Oh, ok, ça va, au moins il y a un peu sur Oliver. Proc. Toi, proc. Là, tu slip. Là, tu slip, c'est le play. Tu slip Sagar. Vas-y, j'ai aucun proc de la game. Fais des efforts aussi. Tu fais le sac, mec. C'est trop relou. Tu dis pas ce que je fais en plus. C'est vrai que. Oh, bah.
Oh. Mais en vrai, maintenant, c'est un solo Léo ou pas? Comment il gère ton Léo? En vrai? Comment il le gère entre nous? Entre nous, il est dans la merde, hein, je pense, en face. Résiste, fais pas un critical time. Il va le faire. Je me pose plein de questions. Imagine. Ok, tu sleep. C'est bon. Oh, tu crois que... Ah, mais... Oh, enfin, putain de merde. Tu es sûr qu'il fallait mettre Nikki aussi haut dans la tier list, là? Ah, le mob, il pue la merde, je pense, t'as raison. Bon, là, j'ai un peu du mal à croire aller au solo, maintenant, là. Ah bon? Non, t'inquiète. J'en sais quoi, ce qui t'empêche d'y croire? Ouais. Dans quoi que tu crois pas? Non, mais la crit, il a chaté. En vrai, de vrai... Si il crit pas à la fin, c'est gagné, quoi. C'était presque. Dommage. Non, mais frère. C'est là qu'on voit que le jeu, il a un problème, alors que t'avais plus d'aide que lui, et t'as quand même perdu. Enfin, enfin c'est sad, quoi. Enfin, sérieux. Moi, ça me fait chier. À toi, là, quand je vois ça, comment j'ai envie de me motiver à jouer à la Swell quand c'est un peu en piquant en CLD, quoi. Ah là là. En vrai, je voulais en fait au moins être à peu près au même niveau de points que quand j'ai lancé stream. Bon, parce qu'on va pas rester toute la soirée là-dessus, tu vois. J'avais pas dit que t'avais rien à foutre. J'avais pas rien à foutre, mais bon. On est en train de partir en. On est en train aux enfers là, tu vois. Oliver Young. Oliver Young. Non, en vrai, sans déconner, je pense que je pourrais le rattraper, c'est pas grave. Ça va alors. Mais au pire, si tu le rattrapes pas, bah, c'est pas grave. Hein. Sinon, je commence à avoir des remords et tout, c'est ça. Destiny. Ça me fait chier de niquer le compte d'un pote. Bon, non, Balek. Tu t'emballes avec lui dire. Yann. Quoi? Tu dis quoi du coup? What? Mais what? En Destiny Yann? Destiny Yann? Ah non, ils manque un stripper, attends. En Destiny et robot. Robovent? En plus, t'as des artefacts de fou maintenant. En plus, c'est bon, là, en plus, on a upgradé, on faut l'utiliser. Oh là 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 là. J'avoue. Il a combien de crit, ton robot? 85. Je sais pas. 24, ce qui 24, est presque pareil. Ça va. Où est-ce qu'il y a du crit, en vrai? Ah, il y a 4 ici. Waouh. Ah, et 5 ici. Ça, c'est de la rune, hein. Et c'est pas Viva Shell, là? Viva Shell, ouais. Allez, go, petite Viva. Je sais pas si c'est bien en fait. Oh, t'inquiète, ouais, on va entrer dans sa tête. Viva Shell? Ouais. Tu bannes quoi? Ban. J'ai envie de dire ban Ragdoll. Vas-y. Ouais. Et Trust. Trust? Vas-y. Trust? Oh, hey, il va laisser la Viva. Il va laisser la Viva, t'inquiète. Après, vu qu'il a la protection avec Nana, je pense qu'il va laisser Yva. Hein. Et. Il y a deux mobs qui le tuent, hein, s'il laisse la protection avec Yva. Enfin, genre, s'il laisse Yva, même s'il a la protection, il meurt. Hein. Ouais. Genre. Ok. Il se passe quoi maintenant? Hit speed. T'inquiète, tu vas stun tout le monde avec le robot. Ben. En vrai, si je me fais pas full res. Par Oliver et Robo, je pense que ta strat fonctionne là. Merde. Tape Carnal. Skill 2. Skill 2. Pénard. Bam 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 bam. Ouh la 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 la. Du coup, reset. Carnal, non? Reset la Shizuka. Ouais, Shizuka. Ah, il a pris de la TB, c'est très chiant. Skill 3 sur. Sur Nana. Allez, il faut que tu la tues. Premier hit break death et. Alors, les bruitages étaient là pourtant. Oh. J'ai tout essayé. Aïe. Bah. On n'a pas pris assez de jus avec. Avec Mister Robot là. Adieu. T'es un échec là. Ah, Destiny, ça fait pas tant de dégâts que je pensais. Ah non, en vrai, sans buff attaque, c'est très dur Destiny. Ouais. Ou alors, il faut qu'elle ait 0 speed. Et encore, je pense que je la tue pas avec lui d'HP. Ouais. C'est vrai qu'elle avait lead 44%. Ouais, c'est ça, c'est complexe en vrai.
Bon, bah c'est bien, j'ai. C'est pas évident de jouer un. Un brute force. Non, en vrai, jouer brute force, c'est pas facile. Hein. Ouais. Sans buff attaque, c'est compliqué de pouvoir prendre des mobs T1. J'avoue que là, moi, ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être mis Nikki à la place de. Mes combats, on va voir. Du robot. Ouais. Je sais pas si. Ouais, on fout le. Après, je sais pas si Oliver Young c'est plus OP en opening. Je pense ouais, que non. C'est peut-être pas. C'est peut-être bien en deuxième rotation, mais peut-être en première rotation, c'est pas ouf. Je pense que si on banne le Karnal, en vrai, on est pas si mal que ça. Hein, avec le robot. Ouais. Ça absorbe beaucoup plus. Potentiellement, tu stun et tout derrière. Je pense aussi que c'est peut-être aussi un problème de ça, ouais. Je sais pas, avec Ragdoll, ça me fait peur. 2-3 crit et puis. Ouais, mais t'es censé. Avec la Shizuka ouais. Qui met le skill 3. Ouais. Allez, il est déjà 21h36. En général, on finit vers les 45 l'émission. Qui veut se faire plaisir à me faire perdre des points pour deux combats là qui... Vas-y. Allez, Adri. Allez, Adri. Ah, vas-y, je veux pas que ta nuque. C'est quoi en vrai? C'est ton. T'as un peu un diesel. À la ligue, t'as commencé très lentement ouais, et t'es en train ça, de monter ça, là. Ça. Attends, faut que je regarde tes meubles là. J'en ai plein d'autres. Hein. En vrai, pars sur un petit Oliver Yonong là de nouveau. Il veut du mal en fait. Quoi? Bon, ouais. Je pense après, je vais enfin, lancer le stream en perso. On va faire ma session de RTA. Ok, ça gare. Là, il faut Robo Dark et Anne. Oh la machin, elle est incroyable ici. Anne. Désolé, j'étais distrait. La machin, c'est incroyable, mais elle est ruinée. Hein. Ouais, elle est bien ruinée là. En vrai, je vais la ruiner après. Et en fait, si vous demandez les questions, le chat, pourquoi est-ce que c'est que sur mon compte? Déjà, c'est le plus facile et peut-être aussi assez fun de voir d'autres gens galérer sur mon compte. Mais genre, je pense que toi, tu joues plus toi avec VK, par exemple, sur ta saison là. T'as arrêté là, non? Ouais, là, ça fait 3 semaines que j'ai pas trop joué quoi. On peut refaire sur mon compte si tu voulais. Oh bah. Carrément, hein. C'est quoi du coup là? On la speak. Je sais qu'il va bien se venger là. Mais bon, mais là, c'est. Soit tu mets Destiny, soit tu mets Nikki, comme tu préfères. J'aimerais bien une Destiny. Voilà. Max. Là, ce que tu bannes. Soit tu. Ça hésite. Nana. Bonne aspect draft réussi. Et tu sais que je suis d'accord, pour moi c'est Nana le problème là. C'est ouf. C'est ouf qu'on soit d'accord. Dingue. Non mais on est ensemble, Shay. Eh ouais, on est dans la même team, toi aussi t'as Destiny, j'ai Destiny, voilà, on est pareil, on est bro. C'est ah ouais, j'ai pas deux à 200. C'est le destin, ouais. Qu'est-ce que tu focus en premier par contre toi? J'imagine que t'essaies de sortir la. Ah. En vrai là tu fais sur le. Tu te fais un S3 sur le robot, non? Ok. Je sais pas. Non mais vas-y hein. Je t'envoie un petit S2 S3. Bam 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 bam. Alors le Despair est toujours assez présent, c'est ouf. Sort 3 du coup là? Ouais. Ok, rien c'est la Juno. C'est parfait j'avoue. Là tu vas essayer de focus la Juju. Ah je vois le plan de jeu là. Petit reset sur Vanessa. Petit reset la Vanessa. Ouais. Ok. Tu absorbes ATB et tu vas sur le Sagar. C'est la strat. Oh il a eu. Il absorbe ATB. Oh putain. Voilà. Ah. Ah putain, okay. T'as fait, tu fais chier. Dis vite. Sort 2, sort 3. S3, le S2, le Sagar. Enfin, S3. Pff, je sais pas, non, ça tue pas. Mais oui, y'a pas de buff attaque. Oh, Destiny, non, tu dois savoir que tu peux pas ignore dev sans buff attaque. Fais chier, j'ai paniqué. Je sais, qu'est-ce mais qu'il fait. Il me lock sac, il résiste. Oh là là. Oh putain. J'ai stressé. Mais gros, tout se passait trop bien. Et là, y'a un truc qui se passe pas et. J'ai perdu pédale. Normalement, si tu fais sort 3 pour avoir break def, mais bon, il a paniqué. Ça arrive, même au meilleur. Attends, j'ai pas fumé là. Je suis à cran. Enfin, pour une fois, je me disais, on va gagner un match. Il était content.
Bah normalement c'était censé être bien là. Le plan de jeu il était bossé là. Le petit reset sur Vanessa, le skill 3. Ah ça commençait bien, je pouvais tuer un truc là avec le sort 3 tu vois. Ouais ça va, on a fait quelques wins aussi. Non, non. Ouais. Une ouais. Dernière. Les gars, une dernière. Et là c'est full VK. VK parce que vous savez que VK il est dans le top 100 et tout là. Alors. Full VK. Pour finir. Et... Non, pas ça. Non, te mute pas. Non, essaie de le dire. Juste, si des VK dit c'est le dernier mot, c'est ça, on va dire. Et allez. Le dernier mot. Dommage, je pensais qu'on allait gagner celle-là. Moi aussi, je pensais. On y croyait, hein. Ah bah, ouais. Avec le skill 3 à faire, là. Ah, gros, il y avait trop. En vrai. C'est vrai qu'il y avait beaucoup. Il y avait trop. C'est sûr qu'il a destiné à Adrien ou pas? Ouais, je l'ai. J'ai juré. Elle est build comment la tienne pour savoir, ça se trouve en fait tu la joues à 4000 attaques, c'est pour ça que tu pensais que... Non la mienne elle est... Genre en fait elle est comme la tienne, mais elle a pas de dégâts crit. Ah donc elle est pas comme la mienne. Ouais je... Bah elle est même... En fait, elle est pas en dégâts crit. Elle est pareille. Genre il y a les mêmes stats et tout, il y a de l'attaque. Ah et en plus ça snipe là. Ça snipe vénère là. C'est vrai que ça snipe là. C'est chiant ça. C'est pas si chiant. Anne Robodard. Moi déjà je prendrais peut-être la Vanessa. Non, peut-être le Oliver Vachel. Ouais, ce que je vois. Vanessa et Vachel. Ok. Bah Oliver du coup. Ah désolé, j'ai cru que t'avais dit Oliver. J'étais en train de réfléchir, mais au pire Oliver c'est fine. Ah oui, d'accord. Je vous ai dit là Anne. En fait il prend tous tes meubles. Ah ouais, d'accord, près, ouais. Ok. On a là c'est un peu plus chiant. Ouais. Let's go. Bah, je pense qu'on passe. Ton E-Gang il est speed 2, on est d'accord? Ah ouais, il est speed 2. Pire, tu passes sur E-Gang là. Ah, j'avoue, c'est pire. Ton robot il est un peu rapide, non? Ton robot ouais. Vent là. Ouais, un peu. Ouais. C'est chiant parce que là on se fait quand même punir par Doug. Ouais, je vais pas le dire tout haut. Ah, mais que t'avais pas validé. Je pensais que t'étais encore en réflexion en fait. Ouais, mais en vrai, prendre le robot et après on voit si on change, tu vois. Ah, ok. J'ai l'impression que Destiny par contre, c'est un peu. T'avais vraiment pas l'air safe, du coup j'attendais que tu valides ou quoi, ou que tu changes d'avis. Je disais, ouais, bon. J'attendais de voir si on allait changer de... avec ça, mais. Mais du coup, on va changer avec Destiny. Mais là, on va se faire. Ouais, tu sais qu'il a pas de lead pour ses autres monstres. Ouais. Ouais, lui, tu mets le robot, tu pannes genre. Federica va être casse-couille. Mais là, il va ban E-Gang. Attends, avant de valider. Ah, fais gaffe, c'est un petit coquin. Mais oui, mais c'est ça, il prend tous tes monstres et il va suivre ce que tu ban. Il va frotter les mains derrière contre, le derrière l'écran. Bah, ouais, quand il y a 5 secondes restantes, ok. Tu me dis à 5 secondes restantes, quel est ton choix? Ok. Non, en gros, faut que tu me dises parce que sinon, j'ai pas le temps de cliquer en fait. Ouais, non, mais je te dirai à 5, ouais. Ok, reste sur Federica. Ok. Et après les 33, ouais. Et... Ouais. Il aura pas le lead avec Sonya. Si strip avec son machin, bah il taille gang. Mais genre, ok, en vrai je suis curieux de voir. Parce qu'il y a un monde où j'avoue qu'il y a peut-être une... Un truc qui se passe. Là il donne le tour à Sonya. Oh oh. Attends, mais il est lent son truc, ok. Il est lorcelé. Mais attends, mais t'as gagné là, non? Ok. Entre skill nous. 2. Allez. Skip 2. Ah merde. Ah. Ça, c'est chiant, hein. Là, c'est vraiment ultra ghetto ce qui vient de se passer de pas avoir eu ATB une seule fois sur lui, par contre. Ouais, vraiment. C'est vraiment pas de chance. Ok. On va, ouais, est-ce qu'il a un Sonya? Là, je la déboîte, non? Là, par contre, tu peux la déboîter, ouais. 103 pour il Ouais, je pense qu'il y a quand même le multi-hit. Bah, en vrai, je pense que le move c'est ça. Hein. Et j'ai pas tué dans tous les cas. Ah putain. Bon, bah ça commence. En vrai, si t'absorbes un tout petit peu le peindre, on est trop bien là. Bah, un en fait. Une seule fois, il a pas réduit. Ouais, je pense qu'il a pas réduit assez. Bah, là, on avait Oliver, robot et tout derrière, c'était free win quoi. Et ben non, ça a pas été free win. Bah, en fait, tout ce qu'on peut retenir de cette session chez Zoo, je pense qu'on en a appris quelque chose. C'est que t'as pas de chance ce soir. On verra après. Bon, en vrai, je vous avoue que ça m'avait donné plein d'espoir quand Tutu avait lu sur mon compte. Parce que je me disais, ouais, il pense différemment et ça fonctionne et tout.
Et je me disais, bah en fait, ça va être trop bien marché ce soir aussi, tu vois. Ouais, et on était bien là, on était trop bien. On a gagné. Résistance. Ah ouais, j'avoue, c'est pas la vraie vie ça quand même. J'avoue. Et il a eu 3 fois 15%. Fais les maths, tu vas voir, c'est pas. J'avoue que c'est. Il est café à cœur aussi. Putain, la descente aux enfers là. Ah ouais, j'avoue, what the fuck. J'avoue que ça n'a aucun sens ce qui vient de se passer là. Ouais. Voilà. Oh, mais c'est de l'ordre du 0,x%, hein, je pense.